dans le monde sur le Junior TV Network émet ses signaux dans le but de vous distraire, former et informer sur les faits les plus saillants qui dominent la planète sur le plan culturel, économique, politique, sportif, entre autres. C'est le Junior Network TV, la télévision ayant une couverture planétaire par le truchement de ses correspondants à travers le monde. Nous sommes disponibles sur le web via www.saintlejunior.tv et rejoignez-nous sur Facebook et YouTube. Infoline 954-822-6751. C'est le Junior TV Network, la télévision mondiale. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de qui zone, qui va regarder nous, éteindre nous. Donc autant pour nous retrouver nous à l'espace de l'univers des sports avec Zampa Wolfried Boutis à l'antenne. Voix de Prince, c'est l'Union Pré-TV, Audio Now, 631-856-92-72. Et VMH, Radio Voix Mercier Hippolyte, Radio Moderne à la cour New York, du côté de Smith Valley, du côté de Brooklyn, Queens, Long Island, Radio Télénago de Fonsinago, Haïti Best Radio de l'ingénieur Dagison Pierre, dans la coupe d'Haïti lui-même, Radio RVC, 89.1 de Pierre Richard Jean-Jacques. La Cousse Mike, Radio Lacaille de Lucenes Inakis, Poterie, Précision FM de Jackson Prédessin, à Saint-Louis du Nord, Lacaille, Radio Réflexion Inter, 93 Preset de directeur Nemchiout, directeur Louben Joseph. Et nous comptons pour nous retrouver dans l'espace là, qui c'est l'univers des sports. Avec Zampa Wolfried Boutis à l'antenne. Mesdames et messieurs, prêt qui pral dominer espace là pour jeudi. Et côté nous balguer là pour nous. Ça y concerne le championnat national de la première division dans le pays d'Haïti. Côté nous te gagné là, équipe qui brille à handicap là même, qui était arrivé jouer une qualification là. Et maintenant, attention, attention, Wilfried, ils ont encore un problème, mais équipe Akaya, même vraiment là, et qui était arrivé imposé devant équipe Real Handicap là, ils ont goal à 0. Côté nous, équipe Akaya, même qui parle pour faire finale. Et côté nous, là, équipe Don Bosco de Pétionville, ils ont même dans pack level, ils ont même qui est arrivé imposé devant équipe Top Atlant. Et côté dans le match aller, c'était 0 bi partout. Et match retour les mêmes qui étaient faits dans le pack level. Il a pas gagné là. Équipe Don Bosco les mêmes qui est arrivé et qualifié. Et pour final ça, côté de Palguer là, en grande finale, un temps. Don Bosco de Pétionville et équipe HL Roselan. Et côté dans l'espace les mêmes, malgré pour le retrouver, président équipe ça. Et qui c'est isolant, mesdames et messieurs, dans l'espace si là. Et puis, on a parlé au niveau de la deuxième division. Et puis, on a vraiment la café, petit bonhomme, deuxième Lila. Et surtout, nous parlons de l'équipe Point de Pierre Romain qui parle pour rencontrer avec l'équipe Racine Gobonne, Conson des Triomphes. Dans un site dans les mêmes, et équipe Aigle Noir d'Ibelair, Violette Athletic Club, eux-mêmes. Deux équipes qui sont arrivées de partager, c'était une rencontre qui était arrivée terminée. Et ils ont un goal partout. Mais nous prenons le temps pour nous connaître vraiment là.
Et pour 22 décembre là, entre équipe Aigle Noir du Bel Air ou Violette ou bien équipe Akian, et qui est ce qui va gagner opportunité pour y aller jouer finale dans Zonio. La prêté pour nous suivre, pour nous connaître vraiment comment ça va le passer. Puis donc, nous avons gagné là pour nous foot féminin. Hein, côté nous gagné là équipe Anacaona de Léogane, nous même qui va gagner pour faire finale avec équipe AFC Gosselin. AFC Goss, c'est même qui était sous 4 titres affilés. C'est AFC Goss qui va partir pour un 6e titre. Nous ne connaissons pas, mais nous ne parlons pas de pour nous suivre pour nous connaître comment ça va le passer. Et puis à l'étranger, mesdames et messieurs, nous avons pour nous de la Ligue des Champions, tirage au sort pour les 8e de finale. Nous avons une équipe, équipe Athé Madrid même qui a bien pour jouer avec Juventus. Équipe Lyon même qui va recevoir l'équipe de Barcelone. Pour l'équipe Real Madrid, il y a bien pour jouer avec Ajax de la Hollande, mesdames et messieurs. Donc, nous avons pour nous de la NBA rencontre qui est arrivée jouer. Rencontre qui a bien pour jouer jeudi. Mesdames et messieurs, c'est tout point ça avec un pilote encore qui pourra le faire essentiel. Émission par Rouen, qui c'est Univers des Sports avec Zimpa World Foot Boutiste à l'antenne. On a parlé tous les amis, tous les fatigués vraiment, qui a suivi nous de près ou de loin. Et puis c'est aussi Émission par Rouen, qui c'est Univers des Sports. Pas oublier, partager live là, inviter des amis pour qu'on puisse suivre Émission Silla, qui c'est Univers des Sports. Avec Zimpa Wilfried Boutiste à l'antenne. Pas oublier, mesdames et messieurs, émission TV Genoux grâce à l'unique barbershop de la mission Boutiste 10-12 Nord-Ouest 9e Avenue. Pour tout ça qui concerne les coupeaux, on va le faire chez vous. Là, on est capable d'aller en dans l'unique barbershop de la mission Boutiste. On est capable de contacter nous en 954-802-67-51. Attention, bon sang. Et puis donc, pas oublier ce qu'il y a avec Johnny Multi Services pour faire une licence de sécurité ou capable de checker avec vous sans problème. 954-822-41-68. Et puis donc, pas oublier ce qu'il y a avec, Max One Enterprise pour ça qui concerne, yon assurance de santé ou bien bon policier assurance de vie quelconque ou capable de checker avec Max One Enterprise George McNally vraiment là c'est un expert dans ce sac qui est là ou capable de checker avec eux et pouvoir faire un contact surtout sans problème ou capable de composer 954 909 51 23 954 909 51 23. Et puis donc il y en a 46 20 West Commercial Boulevard. Et puis donc, pas oublier, Mathias Honoré, vous-même, il y a un gros banquet là, on sort des gars à réveillon qui ont parlé pour fête là, et samedi qui a venu là, et qui c'est dans Inverary Golf Resort Hotel, qui est dans 35-91 Inverary Boulevard, Fort Lauderdale, Florida, 33 319 admissions lui-même, c'est $100, on est capable de checker avec Mathias Honoré, et Michel lui-même, vraiment là. Qui a servi la communauté longtemps et qui toujours là et en quelque sorte c'est ça qui toujours vraiment là fait réveillon ça lui-même vraiment là son réveillon qui toujours et qui dit on soit des grandes réussites mesdames et messieurs. Et puis donc pas oublier avec Richard Melsenior pour ça il concerne pour ça qui concerne Dependable Realty Ego, si tu as brisé HK ou bien Van Kai, vous êtes capable de checker avec Frère Richard Melsenior, connaissez le nom, un Frère Maurice, ça va permettre de suivre qui est capable d'aller, pour que vous capable de jouer une adresse en lui-même dans Dependable Realty Ego, mesdames et messieurs.
pour chercher un monde qui a fait confiance dans les affaires real estate, acheter et vendre caille sous toute forme, immigration et income tax. Je référé au Dependable Realty Inc. Dependable Realty Inc. c'est le meilleur côté pour fréquenter leurs besoins, acheter ou vendre une caille, leur gain problème immigration ou pas gain papier ou t'as même vigne un citoyen américain. Pour que ça fasse un pour même, c'est nous qui number one dans income tax service. Pas négliger contacter nous. Monsieur Richard Mereus, alias frère Maurice, c'est un expérimenté dans le domaine. Plus passé 25 ans de service, il fait une licence dans real estate, c'est un broker dans le domaine. C'est un monde qui update sur tout dernier loyau dans cause immigration. Faire confiance. Web Dependable Realty Inc. dans 2800 West Oakland Park Boulevard, porte 107. Infoline Office 786-484-1469. Cell phone 954-817-2650. Email rmereus42@aol.com. Pas négliger fréquenter Dependable Realty Inc. Zotzi, dit nous c'est toutistes, mais nous autres, nous comptons go bouche nous. Le nous gain problème immigration, nous ajoutons nos experts en la matière. Sunrise Immigration and Paralegal Services, Chita dorénavant en 2500 West Oakland Park Boulevard, 954-523-84-77. Plus de 15 ans, oui, 15 ans au service de la communauté haïtienne. L'un des plus grands centres de services de l'immigration à travers la Floride, avec un personnel qualifié, compétent et expérimenté. Le nous besoin permis de travail, résidence, naturalisation, asile politique, affidavit de support, divorce, contrat, corporation, lettre, traduction de documents, dirigez-nous tout droit, la référence là, 2500 West Oakland Park Boulevard, 954-523-84-77. Oui, Mathias Sonoré, connaissance et richesse là, Sunrise Immigration and Paralegal Services, 954-523-84-77. Le drapeau ou la patrie, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de trépied, du sort, soyons solides. Marchons unis, marchons unis, pour le pays et pour nos pères. Marchons, marchons, marchons unis. Side to side, to the world where we flew, to the world.
émettre ces signaux dans le but de vous distraire, former et informer sur les faits les plus saillants qui dominent la planète sur le plan culturel, économique, politique, sportif, entre autres. Celui du Nord Network TV, la télévision ayant une couverture planétaire par le truchement de ses correspondants à travers le monde. Nous sommes disponibles sur le web via www.celuidunord.tv et rejoignez-nous sur Facebook et YouTube. Infoline 954-822-6751. Celui du Nord TV Network, la télévision mondiale. Mesdames et messieurs, nous de retour après Poslan. Pablo Wassiv, émission par un qui c'est univers de sport avec Vincent Wolfric Boutis à l'antenne. On a parlé de toutes les hommes. Toutes les fatigues qui assument nous de près ou de loin. C'est émission par nous qui nous assument là, qui c'est univers de sport. Et toi le prince, c'est le nom Pré TV, Audio Now, 631. 856-92-72. Et match, Radio Famers et Hippolyte. Et ma première salée, Robert Boutis, Jessen, Jonathan, Wilson, et Madame Lucien Boutis, tout son nom. Bonjour, bonsoir. Et toute fatigue vraiment qui a suivi nous, c'est la radio modèle dans la Côte Valley. Et la Coupe Brooklyn, Queens, Long Island, Radio Télénago. Haïti, Best Radio de l'ingénieur Dagison Pierre, en Haïti, Radio RVC, c'est ma Radio Lacaille, Potri, Président FM, Asselineur, Radio Réflexion et 93.7, directeur de Pute, directeur Loubens Joseph, et Pabliétique avec Bibliothèque Yannis Fayenan, lui-même, Asselineur, dans Radio Réflexion et lui-même, au Capaba. Allez là, mettez des belles sous, et professeur là, voyez les vieux, allez faire des vannes dans la bibliothèque là, et puis capable plus performant. Et bon, et à dire ça, les mêmes séries, Alexandre, numéro 104, monsieur Crio, vraiment là, qui a fait un travail impeccable. Et mesdames et messieurs, très rapidement, nous parlons là, pour déraper avec information, mais la première salée, Inosier Augustin. Inosier Augustin lui-même, qui est belle et bien connecté ensemble avec nous. Inosier, et bon, quelque sorte, qui Valencia lui-même, mais c'est le Paul qui a parlé là, c'est lui qui a descendu chez Valencia, va aller faire le déplacement. Mais d'après des temps, confirmation de la prochaine FOP, pour nous connaître comment ça va le passer. Il est jeudi en forme en forme. Et mesdames et messieurs, nous sommes là, et Kersoleil, Zami Pan, et Pasteur CS, et Pasteur Sanson, et nous saluons nous tous depuis Atlanta, Georgia, qui est belle et bien connectée, et ensemble avec nous. Bon, et nous, à parler, voilà, championnat national de la première division, surtout championnat ça lui-même, vraiment là, nous connaissons deux équipes. Équipe Alguien pour faire finale yola, équipe Don Bosco de Pétionville, yo même, qui t'allait, n'a pas qu'à level, et côté yo même vraiment là, yo t'a créé si président lui-même, puisque yo t'a rencontré avec équipe Tapetlan, Tapetlan yo même vraiment là, et dans le match aller, yo t'a fait 0-0 avec équipe, Tapetlan n'a pas que 7-1. Mais dans le parc, level là lui-même, c'était l'autre scénario qui était balayé. Côté de la balle, AFF Machine, Young Gold Patou, 0-B Patou, Young Gold Patou, puis c'est dans le match à l'heure fait 0-0, match retour lui-même dans le parc level. Équipe Dombosa, même vraiment là, qui était arrivé, scoré sous équipe Tapetlan, par Naël. Naël, monsieur lui-même, qui était tout à fait intéressant, mesdames et messieurs. Monsieur lui-même, qui était balle arrivé. Marqué pour équipe Dombosois lui-même. L'énorme garde d'action lui-même. C'est vraiment là une action qui est tout à fait intéressante. Olin Joseph en forme Tirol. Oui, c'est ça. L'énorme garde là. Équipe Dombosois lui-même. Mais ça, c'est. Nous avons gardé là. Il m'a pas que level là. Mais nous avons là. Équipe Dombosois lui-même avec Naël. Sous côté droite là lui-même. Vraiment. Et côté monsieur lui-même, vraiment, le tabac font casser latéral là lui-même. Vraiment là, et tabac arrive à sacrifier. Et gardien, et tapette là lui-même, vraiment là, c'était un goal qui était tout à fait intéressant, mesdames et messieurs. On nous regarde
reprisant là, mesdames et messieurs. Nous allons regarder reprisant. Puisque c'est un goal qui était tout à fait intéressant. C'était donc la fête pour l'équipe Don Bosco de Pétionville. Nous regardons l'action là, mesdames et messieurs. Oui, on a poursuivre action là. Ouais, Nael a pas avancé avec 229 liens. Et dans le carré, tapette là, il casse latéral là lui-même. Et puis donc, il sacrifie gardien là. Dans le deuxième poteau hein, lui-même. Vraiment là, c'était un goal qui était tout à fait intéressant, mesdames et messieurs. Mais et puis donc, nous avons gagné l'équipe tapette là lui-même. Vraiment là, et tapal arrivé. J'ai une égalisation dans le compte aussi là, mesdames et messieurs. Et monsieur Tempête là dans un cafouillage, c'est un coup franc qui était beauté et gardien lui-même vraiment là t'es repoussé ballon là mais nous t'as pas gagné là avec rebond lui-même monsieur Tempête là t'as pas arrivé joindre égalisation mesdames et messieurs vraiment là et action qui nous a gardé assez action là c'est un goal qui était tout à fait intéressant mesdames et messieurs bon on a gardé là monsieur Tempête là pour aller un coup franc là que monsieur était arrivé joindre il pas gagné là puis beauté coup franc mesdames et messieurs son coup franc qui t'a pas beauté mais gardien lui même vraiment là qui était et qui était dévié et coup franc en termes de il pas capable kembe là était repoussé là mais avec rebond ça lui même monsieur Tempête là t'a pas arrivé joindre égalisation mesdames et messieurs c'est ça il t'a pas arrivé joindre égalisation et tout le monde était pensé là et équipe Tempête là lui-même dans fait rencontre ça lui-même t'a arrivé marquer un deuxième goal mais ça va arriver fait mesdames et messieurs et vraiment là c'est couvent qui beauté gardien repousser ballon là mais joueur Tempête là vraiment là avec rebond lui-même il arrivé scorer et côté lui-même il était arrivé joindre égalisation non contre là mais contre là lui-même vraiment là qui était arrivé terminé qui était arrivé terminé on va faire de un goal partout c'est équipe équipe Don Bosco lui-même qui va gagner pour faire finale. Mesdames et messieurs, nous allons permettre de suivre la réaction de Nael. Nael lui-même, vraiment là, qui était marqué goal là lui-même. Après, en contre lui-même, il était croisé avec Gentil Tessier. Nous allons permettre de suivre Nael, monsieur lui-même, vraiment là, qui t'a réagi. Mesdames et messieurs, on va suivre Nael, mesdames et messieurs. Un homme très européen de l'Europe de l'Est, bien sûr. Alors, et Wolofsky, vous libérez Don Bosco, menez Don Bosco en finale, Don Bosco dans la route pour le champion. Oui, je pense que c'est le travail qui a continué. Et nous sacrifions un peu, nous souffrons un peu pour arriver là. Et c'est bon, mon cadre, sinon en finale, je dis, bon cadre. Et vous connaissez mon Akaye, tu as regardé le match là? Akaye? Bon, je pense que ça va, c'est depuis sur Canal Plus, tout le pays à Bosco. Mais l'adversaire nous en finale c'est l'équipe Akaya. Ça veut dire Akaya était joué avant. Entraîneur, joueur, ils ont pris un chita pour regarder le match nous. Finale aller jeudi, l'Akaya nous n'a pas accepté reste de Pétionville. L'équipe Akaya est intraitable, ils font un bon parcours dans la série clôture là. Et ils confirment dans la phase finale là, l'Ibaï Real de Cal. Comme ça, vous parlez seulement de l'équipe Akaya là. On va parler des sacrifices que même fait. C'est des équipes qui voient le jeu, mais c'est AKS sont bonnes équipes, on respecte ça, mais nous étions Don Bosco. Nous étions Don Bosco avec du travail, on a continué à faire ce terrain et puis continuer à victoire. Est-ce que nous comptons faire différence là, deux matchs aller à la Kaino ou bien l'obtenir de sérieux? Final là, je suis deux matchs. Nous ne pouvons pas dire après le jeu final là, non seul match. Parce qu'après l'autre match, si nous laissons là, c'est un champion. Il y a deux matchs. Nous défendons nos deux matchs là, pas un cadeau. Okay. Vous faites un goal de plein sang-froid. Expliquez-nous le goal là, comment on fait prendre tout et on prend tout sang-froid pour réaliser le goal ça. Et parce que tout coach qui a une chance, nous avons une chance pour coacher. Je toujours dit mon seul bas, il y a carré à baguette trop. Tête chose, c'est sans foi. Ma qui est là, c'est discipline. Mon dernier mot pour fanatique Don Bosco. Dernier mot, toujours venu supporter l'équipe là et puis reconnaître nous, parce que Anissa est pour nous, monsieur Don Bosco. D'accord, merci. Un homme européen de l'Europe de l'Est, bien sûr. Alors, et Wolofsky, vous libérez Don Bosco. C'est ça, mesdames et messieurs, côté nous avons suivi Nael, monsieur lui-même, vraiment là, qui a marqué un superbe goal. Et Nael, qui a marqué un superbe goal, mesdames et messieurs,
Et c'est ça. Et monsieur qui était marqué un superbe goal pour l'équipe Don Bosco lui-même. C'est un goal qui était tout à fait intéressant, mesdames et messieurs. Et Roland Joseph en forme petit rôle. Belle posée. Jacques Ndabdilan là. C'est ça. Et nous regardons là. Équipe. Et nous avons là. Et c'était donc un goal qui est tout à fait intéressant pour l'équipe. Donc, c'est de Petionville même qui joue une qualification là pour finale là, les mêmes, une finale qui parle pour fête à commencer de jeudi. Et puis donc, match retour là, a gagné pour jouer. Match retour a gagné pour jouer dimanche qui a venu là. Nous parlons de temps pour nous connaître qui est-ce qui parle arriver champion dans le championnat. C'est FMT là, mesdames et messieurs. C'est un championnat qui est tout à fait intéressant, mesdames et messieurs. Nous parlons là tout pour nous. Ouais, si nous capable aller dans la cour AKS, si signal là lui-même pas fait nos défauts. N'a essayé ouais là, sinon c'est capable de retrouver n'a essayé pour nous, c'est capable de retrouver président équipe président équipe président équipe et AKS lui-même vraiment là. N'a essayé ouais là, c'est capable de retrouver isolant, mesdames et messieurs, dans espace univers d'espoir, mesdames et messieurs, n'a essayé ouais là, sinon c'est capable d'entrer dans la cour pays d'Haïti, notamment dans ville Akaya pour nous, c'est capable de retrouver et président équipe Akaya là, mesdames et messieurs, n'a essayé. Et voilà, mesdames et messieurs, pas oublier sur émission par un. Qui c'est Univers des Sports avec Zami Paul Fabritis à l'antenne, pour tous celui du Nord TV et toutes les stations partenaires. Vraiment, nous parlons là, mesdames et messieurs, pour nous prendre direction pays d'Haïti, notamment dans la ville Akaya, pour nous retrouver président équipe Akaya lui-même, mais qui c'est Isolant, nous content pour nous retrouver pour la première fois sur celui du Nord TV dans l'espace Univers des Sports. Comment est Iso? Allô? Oui, bonjour, bonjour, bonsoir, Isolant, nous comptons pour nous retrouver sur celui de notre TV. Comment est Isolant? Bah, nous en forme, bonjour, nous saluons tout le monde qui branche le choix. Nous en forme, mais non pas moi. Et c'est tout puissant Jean-Léonard, mais non, artiste, mais c'est Isolant, et tout le monde connaît Isolant. Et je dis en plus mon bat connaissance me dans sport et c'est président équipe football AFC Football Club Akaya. Oui, c'est ça Iso, et après ça n'a rien pour nous faire parler de musique, mais combien de temps que vous gagnez dans tête équipe Akaya Iso? Et moi bon, c'est moi gagne 3 ans dans tête équipe Akaya parce que de faire équipe là dans 3e division. Après ça, nous monter dans 2e division. Dans 2e division encore, nous venons champion encore, parce que nous dans 1er division. Et qu'on a même droit de jouer finale dans 1er division. Mm-hmm. Mais qui ça pousse au même pour devenir pour une équipe à Carrière là? Bon, premier bagage là, même c'est Nega Kaye, maman, papa, c'est mon Akaye, et même c'est mon Akaye. Et moi, mon football, je toujours participé dans le football à sélection. Dès que je pas joué la sélection, je fais déplacement, je toujours fait déplacement avec eux, malgré le football, malgré le match. So, après ça, je devine dans l'équipe Mibaler, de mon dirigeant de l'équipe Mibaler. Après, je me dis bon, comme la caméra a un problème avec le football à la carrière, je vais faire football à la carrière. Je vais réunir tout le monde qui était dans le football à la carrière. Nous faisons seul, nous faisons équipe, nous faisons l'AFC à la carrière football club. Et non, ça, pour tout le monde à la carrière, équipe football à la carrière, ce pas pour isolant, ce pas pour l'autre monde. Ça, c'est pour tout le monde à la carrière. Et puis, vraiment, je vais rassembler avec des trois messieurs, dames, nous faisons mes comités, nous faisons équipe là, et puis mes équipes là. Mais nous sommes capables là, au et au grand entraîneur là qui sont globe tout le que monsieur là monsieur passe pas qu'à d'équipe, mais donc quoi que Kenan Thomas monsieur là semble son on est besoin pour équipe pour faire victoire, faut nous faire approcher à Kenan Thomas là Iso. Bon, je suis un gros coach
Et si on a besoin qui vous fait victoire, et ce n'est pas celle qui n'est le domaine pour gagner, il faut gagner tout ça qui accompagne le coach pour la victoire. Ça. Et parce que mon équipe en Haïti, nous déjà contre le football là, en Haïti. En Haïti, on est qui préside l'équipe, c'est vraiment dans le social où investir. Et parce qu'il n'y a pas gagné en retour dans le football là. Et celle là, on est président contre un dirigeant, c'est l'équipe qui fait victoire. Et je dis là, Kenel Thomas, c'est un bel coach et next à tout, il y a une discipline pas les exiger gain des joueurs pour gagner et au contraire coûter pour gagner jouer ça pour faire gagner joueur faut un bon gardien et je dis c'est tout paquet ça qui mène l'équipe là côté le bien. Mais effectif là tout comment effectif là qui sont des recrues que nous en termes d'achat, est-ce que ces mêmes joueurs qui étaient et dans l'équipe 3e division et qui est en 2e division qui est en 1er, mais nous connaissons que Guerremont là-dedans, c'est Nèg Lacay, Nèg Saint-Lézinor. Et qui l'autre équipe vraiment là où tu fais, où tu sentis que nous te faisons un bon choix, Iso? Bon, nous te faisons l'autre achat. Et pour nous te faisons, pour c'est après le premier tour championnat, nous t'en disons. T'as balancé, on fait un peu le match dans le premier tour championnat, qui n'est pas bon pour nous. Mais nous te disons, dans le deuxième tour, nous allons faire l'autre équipe. Et l'homme dit l'autre équipe, nous avons tout le plus fort et joué équipe. C'est le jeu qui est monté avec nous dans la troisième division. Mais nous avons fait 5 ou 6 achats dans l'équipe. Nous avons pris un gardien qui est Nèg Lacay. Avec ça, nous avons pris De Roche, ancien joueur de Don Bosco. Avec ça, nous avons pris et Saint-Fort et ancien joueur oui Venel Saint-Fort et nous gagne l'autre achat encore nous prend mettez dans l'équipe là parce que c'est tout ça vraiment qui mène l'équipe là côté là nous net sur bien expérience championnat qui pour te diriger ces jeunes au côté pour aller et nous bien content équipe là t'es venu au bon moment t'es en termes de et dirigeant là, pas qu'on s'est en termes de tête ensemble, mais nous t'es pas sorti presque quitter l'équipe là. Mais nous bien content que tout le bagage est entré dans l'ordre isolant. Bon, on connaît, nous dit, dans le football, il consacre même, et tu vois, c'est le football, tout côté monde réunit ensemble, il y a des problèmes, et l'on a de conmodé, même une fois, il s'est arrivé, pas besoin de tout. Bon, mais nous arrangeons tout le bagage pour nous avancer côté. Parce que moi-même, rêve-moi, c'est depuis mon bagage faut qu'il marche parce que j'ai toujours voulu lever des faits. Ah, mon jeune homme d'avoir vu dans football en plus le monde déjà isolant bah ça va pour ou pauvre ou ceci ou cela même si on est qui me partager moi dis moi je ne comprends pas que le pauvre parce que à n'importe quelle occasion de pouvoir accepter vivre avec le vivre bien c'est le bon petit moyen ou dans mes vivre à gros moyen mal vivre mais ça gagne ou de partager c'est meilleure façon pour vivre bien partager ça gagne. Yeah, nous bien connaissons ça, mais en tant que structure que nous mettons en place pour l'équipe là, Iso? Bon, nous mettons structure en place. Structure en place, la première formule, là, c'est pas de jouer. Pas de jouer, pas de coach, pas de personne monde. Et pour l'équipe là, il y a un problème. Ça. Depuis, la première structure, ça, c'est l'équipe base équipe là. Et on connaît les joueurs en fin, jouer, frais, match, jouer à préparer. Et laisse ça, jouer à lui, mais bon, ça, c'est job lui. Parce que nous-mêmes, nous avons un jeune offert et les joueurs, l'équipe a sorti différents matchs nuls ou bien perdu nous avons un même et l'offre victoire, il y a un bon frère qui est normal. Et puis je vais dire, il faut jouer à Goumé pour ce frère parce que ça c'est job. Li, et après ça, nous situons l'équipe là, non sens pour nous aller, pour nous y faire côté d'arriver parce que division c'est faire lever les drapeaux à Kaya. Et puis, vous, qu'on a AFC Ventoune, un patrimoine dans la ville. So, nous avons goûté, nous avons structuré pour nous faire tout le monde parler bien de AFC, même si on a fait la radio et la télévision. Oui, c'est ça. Et bon, maintenant, qu'on a un peu de débat qui a fait sur le terrain Akayala, qui ça nous prévoit pour nous faire et pour simplement parler de bien, capable de parler de concernant de Akayala. Bon, moi-même, tout, nous avons travaillé ensemble avec le ministre Sport. Nous avons défendu mon terrain à Kaya et qui est président Jovenel pour mettre à Kaya la balle terrain. Et nous avons rencontré avec le président Jovenel.
et détaché ensemble avec ministre pour nous régler affaire terrain. Et moi hier encore dire le ministre pour affaire terrain. Au contraire, c'est lui qui fait son jeune de mon papier pour moi mettre lui, moi pour mettre les papiers sur moi les association qui t'a pour faire papier à bloquer clôturer terrain pour travailler sur terrain. C'est pour le projet toujours là pour nous bailler pour accueillir bénéficier terrain football là. Oui, parce que là, nous avons un petit balai vraiment là qui a fait. Non, petit balai, c'est quand tu as vraiment un et pour nous. Nous parlons de ça. Les salaires et balai positif vraiment qui est capable de parler concernant l'équipe AKEA. Mais ils ont, bon, vous pensez retenir. Non, vous pensez retenir un football là pour un bon titan ou bien c'est ou bien fièvre là la net pour s'y aller. Non, moi-même, je ne dois pas présider l'équipe football à CAE encore, mais ça ne veut pas dire que moi, je vais quitter le football là parce que, c'est, j'aime bien tout ça. Allô? Il y a, m'attendu. Oui, je ne dois pas présider l'équipe football à CAE encore parce que, je dois, il y a un autre monde qui a présidé l'équipe là parce que, bon, on préside, on va le dire, président à vie, ok? So, je veux dire, si il y a un autre monde qui me pille, pour le faire travailler la passer, c'est pour me passer le place là. Et même toujours là comme et membre équipe football à Kaya, je suis toujours là, je suis participation. Je suis toujours là. Je suis toujours présent, même je suis toujours même à moi. Ce n'est pas le président qui peut faire me faire ça, mon frère, parce que son bagage d'affaires à Kaya, je suis toujours là. Oui, avant que nous répondions à quelques questions concernant de musique, mais vous pouvez rencontrer avec l'équipe de Mbosso de Pétionville. Qui ça a dit, Isolan? Bon, Don Bosco, Pétionville, forme du même longtemps, quand on a regardé le football, il y a deux équipes de même en plus, c'est Racing Club Haïtien, ensemble avec Don Bosco, parce que là, ça a boire un tout petit peu comme dans Don Bosco, un tout petit, dès qu'on a regardé le match, l'école, de l'école en après-midi, et l'école là, la game, toujours passé regarder à boire un tout petit peu de l'abjou pour Don Bosco. Et son équipe, moi, en plus, mais. Ce qui me vient connaître tout, vous comprenez? Son boss est Jodian, ils sont fierté que moi-même, moi qui bat le jeu final face Don Bosco. Et pas oublier, dans le championnat, AFC bat Don Bosco à aller et tout. Et nous, on va travailler plus sur ça. Et pour nous, battre Don Bosco à aller et tout encore, parce que moi-même, c'est depuis demain, si Dieu veut, il faut nous commencer à célébrer et victoire champion, Kai Don Bosco. Bon, équipe ça qui est la FC Nation, on a gardé l'équipe ça de la jouer. Nous avons une équipe, nous pouvons jouer à n'importe qui. Parce que le championnat, ça se passe à la Real Dicap, Baba, c'est son équipe à féliciter. Mais c'est un boulot au jeu. Et tout le monde est prêt pour nous de nous jouer avec Real Dicap. Après, nous faisons battre Real Dicap. Et tout le monde dit, à Kaye champion, parce que Jean Real Dicap a joué là, a joué football, il y a tout volume football ça. Ou à Kaye, c'est le désir ou la Kaye, bon. Équipe ça, son bagarre à féliciter. Et Iso, n'apprête pas sur deux mots encore. Et nous, là, Nixon Pierre, depuis Nassau Bahamas, dédiqué, et ils sont chers qui ont quitté l'équipe là. Et puis donc, nous gagnons, confrère par nous, et mon chéri, c'est un ex de la radio-télévision nationale, monsieur du côté de Québec. Monsieur dit que, Lydie Boundou, que. Il dit que il y aurait même ça qu'a fait là. Il souhaite au tas toujours un Kembela pas la guerre isolant. Oui, c'est pas quitter, de quitter l'équipe là parce que même les barbares, je suis toujours président de l'équipe là. Enfin, je ne suis pas présent physiquement, ok, mais je suis toujours répondre avec besoin de l'équipe là. Ça veut dire. Ça me dit qu'on fait ou, me dit toujours fait ou, et parce que, mais laisse à tout, t'es plus si pour l'équipe là. Et son but, il n'a pas mis ses sentiers, et Tipilon, et il n'est pas si par monsieur, m'a bon menti, AFC va pas plus de côté lui vers la première parce que, et t'es pour comme, t'es pour comme, j'ai mis que t'es venu prendre charge ensemble avec et dans l'équipe là. Et n'a pas mis ses tout, et monsieur Piasca Latouche, qui t'es venu jeune nous dans la Latouche, et sans mon salut. Je dis AFC va pas côté bien et sans pas oublier AFC supporters qui c'est diaspora qui déporté si pour pas retour ensemble avec nous et qui fait nous là même pas jamais te vire de Mali et pas présent physiquement même toujours là c'est ça
Bon, Izo, comme musique même nous jouons pour football là même. Et en termes de nous connaissons son musicien et surtout toujours à performer Izo, est-ce que ou toujours à chanter permettre pour people à enjoy là. Bon, même toujours performer parce que j'aime garder ça, ça c'est job moi, ça c'est la vie, vous comprenez? Et je sais que matin là, il me tient endormi. Mais parce que ça croise depuis matin non plus. Et même toujours jouer, toujours performer, toujours faire musique. Et au cas essayer de chercher une dernière musique qui m'a sorti là, tout dernièrement là, qui c'est Isolant Pied Mêlé. Et nous toujours faire ce travail par nous, ça nous confère parce que c'est des lignes vives, nous ne pouvons pas quitter. Et pourquoi ça c'est musique que tu as choisi pour te pour te faire Iso? Bon, moi, bon, mon type, je choisis la musique pour. Enfin, c'est nous tous les deux qui choisissons parce que. Ils ont joué, moi-même, c'est dans le football, moi, et les moins bas qui réussissent dans le football là. Et puis, ils me disent, bon, comment ils font l'autre bagaille? Et puis, mais l'autre bagaille là, je dis là, ça, c'est les structures qui mettent campé comme on prie. Je dis, je suis président en équipe de football. Oui, et nous sommes tout pour eux. Non, tout pour eux, c'est avec. Combien d'albums que vous avez sorti? Moi, j'ai sorti des albums, mon mixtape, mais j'ai une musique solo. Je crois qu'il y a des gens qui sortent des musiques solo passé, mais ça qui est belle là. Presque toute musique solo, je sorti au et comme si je sorti 10 musiques solo, 9 pit. Parce que tout ça, je sorti toujours. C'est ça. Mais si vous avez un coup à verre, combien de monde qui est ensemble avec vous dans le barricade? Non, dans le barricade, vous connaissez. Après l'accident, dans le barricade, nous étions 12. Et après l'accident, les messieurs étaient morts. Et nous étions à 7. Après ça, nous étions qui sont sortis. Après, nous étions malité encore. Nous étions venus gagner tous qui sont morts dans le temps. Nous étions à la barricade. Et nous étions à 5 points. Bon, ils ont. Bon, ou gen gros sponsor avè Izo? Bon, ba gen gros sponsor avè, men gen pil sponsor avè, baske mse yon nan atis ki gen pil sponsor an Haiti, sa se disiplime avèk kondit, men avèk jèm ap mouv avèk populasyon. Se sa. Men, konsen pou ekip Akaye a, eske gen sponsor pou ekip sa? Bon, vwèman ekip Akaye nou ba gen sponsor ki vè di ou mission sponsor qui représente l'équipe Akaya. Mais à cause de moi-même, il y a plus de sponsor qui aide l'équipe en un sens, parce que je connais toujours quand il y a des actes positifs. Le map fait, l'aime plus fait, les gagne un peu rôle pour l'équipe. Je participe ensemble avec mon café pour l'équipe. Alors, par exemple, Kassami, il est toujours bon aide par eux, pour son Genève, toujours bon aide par eux, pour mon café pour l'équipe. Et nous avons un oublié qui sorti dans la zone, qui toujours. Là, avec l'équipe d'entour, c'est une affaire, puis le chef qui a fait. Là, on fait l'ensemble avec nous. C'est ça. Bon, Izo, nous souhaitons que ce soit pour la première et dernière fois que nous avons sur Saint-Louis TV. Sous ta guise, en termes de mots de conclusion, et nous avons même la fin. Hein. Sous ta guise de conclusion, c'est qui ça qui est l'état isolant. Et on dit, on bon. Fait tout puissant Léonard. Ouais. Tout puissant Jean-Léonard. Oui, bon, moi, je ne dis pas l'autre, nous avons toujours dit ça, nous avons un problème politique, donc nous avons un problème tête ensemble. Il faut que tout Haïtien mette tête ensemble, parce que nous, dans le 21e siècle, il y a des gens qui ont fait longtemps, nous ne pouvons pas continuer à faire encore. On met tête ensemble. Mais, je finis à clôturer ensemble avec vous. Là, j'ai une dernière question là. Qui soit à souhaiter pour le football là même, en termes de qui soit fait, dans ce qui fait, et dans ce qui t'a dû faire? Qui ça ou t'as souhaité, Izo? Bon, moi, ça m'a souhaité dans le football là, mais surtout pour le football là en Haïti. Et mais tout bas, je sais que tu es bien, et le football là avance plus bien. Je dis à la, en Haïti, le football là fait en zone. C'est ça que moi-même, Izo, je ne vais pas critiquer la fédération. Parce que moi-même, dans le bagage, moi qui souffre, ce qui gagne. Et je dis à la fédération à zone, mais garder côté du football là va avancer. Et nous, j'ai sélectionné de participer dans la Copa América. Et nous avons mesdames qui sont dans la Coupe du Monde, et nous avons équipe jeune joueur qui a joué dehors. Bon, c'est aujourd'hui, là, moi-même, le message, c'est que faut que l'État ici a investi dans le football haïtien. Et c'est vraiment important. Et jusqu'à présent, nous avons. Ça, il a dit tout, il a dit la GT et tout. Et la GT en termes de décision, les décisions sorties. Et parfois, là, le protocole est modifié à n'importe quel moment.
qui ça a fait. Non. Mais ça que tout ça aussi c'est moi et c'est problème économique parce que des fois ils ont préparé pour championnat où vont là et comme fédération attend et mon cabal cap aider ou bien qui a fait l'avancement il pas fait aller et puis le ça championnat vienne pas ouvert un jour je te dis là pour venir so, c'est peut-être ça demander il faut que l'état haïtien ta investi dans football haïtien et même j'ai fait dans tout l'autre pays so, pour football là avancer et laisse ça bon c'est nous mêmes tout n'a bénéficié n'a bien jeune joueur cap millionnaire et puis laisse ça bien comme cap boisser dans pays oui bon c'est ça bon en tout cas si n'a fait football là et en termes faut des joueurs faire sélection faut des niveaux championnat élevé puis donc on va gon sélection pour aller représenter un pays et puis donc gon championnat ou pas même gon joueur qui là-dedans ça on dit ça fait mal en pile bon ça dès qu'il va changer puis donc puis yo et là ça la sélection va jouer côté nous gagne monde qui va représenter nous dans championnat Israël. Non mais c'est ça dire ou que tu avoir une équipe qui va faire finale là qui va faire finale les sélections en fait tu vois il y a une jeu qui là ça fait une comprendre de ça mais à d'autres reconnaissent que qui dit ah c'est nous mêmes aussi c'est nouveau championnat qui va arriver faire ça parce que je vais faire des formations quoi. Les différentes formations nous-mêmes, je connais la CAN. Et le SAV, les joueurs, je nous dis d'ailleurs avec je ne connais la CAN. Je ne vais pas faire de musique parce que c'est le même championnat. Je dis à la fois, le championnat est structuré, vous ne jouez pas nous, puis on prend la sélection, et on représente nous de l'autre côté. C'est ça. Bon, en tout cas, là, nous espérons ça, Iso. Vraiment, nous sommes vraiment contents pour nous gagner. Sous Saint-Louis Nord, dans l'espace Univers d'Espoir, et nous souhaitons qu'il n'a toujours été en contact et à n'importe moment qu'il y ait une évolution, et nous croyons que nous avons un isolant. Merci, chef. Ok, d'accord. Bonne journée, mon ami. D'accord. Oui, merci. Ça va. Mesdames et messieurs, c'est donc Léonard, je mets un tout puissant là-dedans, il a isolant, et chanteur Barricade Cou, monsieur lui-même vraiment là. Des présents dans l'espace Univers d'Espoir, mesdames et messieurs. C'est Pablo à suivre émission par un qui c'est Univers de Sport avec Zin Paul Foot Boutis à l'antenne. Côté nous t'es ensemble avec nous, président équipe FC Akaya lui-même, isolant. Monsieur lui-même vraiment là qui tape répondre à une question nous là dans l'espace si là. Et financier lui-même, côté nous parle gagner équipe Don Bosco de Pétionville, lui-même. Qui parle gagner pour jouer avec l'équipe Akaya les mêmes. Nous parlons de temps pour nous suivre, pour nous connaître vraiment. Et qui est-ce qui parle arriver gagner match Aléa et puis donc match retour les mêmes. Qui a pris pour fête dimanche qui a venu là dans le parc national des drapeaux du côté de l'Akaya. Mesdames et messieurs, championnat ça les mêmes vraiment qui a avancé. Mesdames et messieurs, puis donc nous parlons là au niveau. De la deuxième division, surtout nous avons un championnat de la deuxième division les mêmes qui a avancé et nous avons la équipe Violette Athletic Club qui fait match nul avec équipe Aigle Noir d'Ibélé dans le compte qui était arrivé jouer mesdames et messieurs. Violette avec Aigle Noir nous fait un goal partout, mesdames et messieurs, un goal partout dans le compte qui était arrivé jeune. Dans le dernier junior là, c'est dans le dernier junior, nous pas connaître vraiment là qui est qui pourra arriver. Et c'est ça, et qui est qui pourra arriver. Gain match aller à profiter ça les Grégory Pierre
Depuis Cap Haïtien lui-même, directeur Panon, et Grégory, nous saluons mon ami, et nous saluons Jovenel Janvier, Obnel Charles, et Bito Sempré, et tous messieurs-là, c'est un staff qui est très solide. Et dans la cour, Cap Haïtien, mesdames et messieurs, Grégory Pierre, bon travail, mon ami, un technicien vraiment là, il y a un pile fougue, c'est ça. Greg, nous saluons. Oui, j'ai rien d'abdi là, mesdames et messieurs. Puisque le championnat lui-même, vraiment, qui a avancé là, qui a fait chemin là, nous parlons de temps pour nous suivre, pour nous connaître vraiment comment ça va aller. Mais nous gagnons là, équipe violette là, eux-mêmes, qui fait match là avec Aigle Noir, Dibélé, Young Gold partout. Rencontre ça lui-même, t'es arrivé terminé. Pourtant, vous avez gagné équipe violette là, lui-même, qui t'a mené Young Gold à 0. Mais nous avons gagné là, équipe Aigle Noir Dibélé même vraiment qui t'a arrivé joindre égalisation. Ça permet équipe Aigle Noir lui-même vraiment là, tête pour tête avec équipe Violette là. Mesdames et messieurs, puis c'est tous les deux équipes ça va 4 points, surtout dans match première rencontre qui était arrivé jouer équipe Violette te bat équipe Violette lui-même qui te bat équipe Éclat de Petit Gouave là on a fait de 3 goals à 0 et match deuxième match là Violette fait match avec Aigle Noir et puis donc on t'a gagné là notamment équipe Aigle Noir qui te bat équipe AS Akian 3 goals à 1 et équipe Akian lui-même qui retient en course puisque yo arrivé font victoire là sous équipe sous équipe Éclair de Petit Gouave. La monde qui est éliminé, c'est dans le site 1 lui-même, c'est Éclair de Petit Gouave, puisque Éclair de Petit Gouave lui-même est tombé devant Violette, et puis donc il est tombé devant équipe AS Akéen. Ça va mettre équipe Éclair de Petit Gouave lui-même qui est éliminé, mesdames et messieurs. Mais Violette a 4 points, ou gagne là, Aigle Noir avec 4 points. Dans le championnat de deuxième division, lui-même, dans le site 1, en Python et World, depuis Port-au-Prince, nous allons Python. En forme Python. Et puis dans l'autre rencontre qui était arrivé jouer, nous avons gagné la équipe dans la zone noire, lui-même. Dans la zone noire, côté nous avons gagné la rencontre qui était arrivé jouer. Équipe Borella, lui-même, qui bat Verrette 3 goals à 1. Borella, lui-même, vraiment là. Qui bat équipe Verrette la 3 goals à 1. Nous gagnons notamment Chanson lui-même qui fait match avec Accolade. Rencontre ça lui-même vraiment là qui était terminé. Zombie partout. Et voilà, dans le pays d'Haïti notamment, dans ville Port de Paix, La Poeta, mon ami, Zombie Pau. Comment est La Poeta? Comment Port de Paix levé? Comment Haïti est? Bonsoir le foot, bonjour le foot, bonjour tous les amis sportifs qui. C'est une histoire avec ça, donc c'est toujours un plaisir pour nous là, pour débeller avec un bel soleil, tout bagarre en forme. Ouais, c'est ça, la Poeta, nous comptons pour nous retrouver dans l'espace là, et nous connaissons le championnat de la deuxième division qui a fait un chemin là, et si tout nous t'es en voyage, comment ça t'est passé Zepao en termes de lecture concernant le championnat deuxième division, pour le flac qui a avancé l'élection de la ministre, c'est le nom de la Poeta. Effectivement, donc hier, nous en déplacement, nous sommes déplacés avec l'équipe de championnat, nous allons assister à une match, puisque nous allons déplacer plus. Voilà. Et. On va parler. Allô? Non, attendez, où en forme? Ou bien passé? Et si c'est la deuxième journée phase de poule, deuxième journée et playoff là pour groupe 1 qui gagne équipe Chanson Blanc, qui gagne équipe Verreslan, qui gagne équipe Aigbol là, ensemble avec Accolade. Donc, ça dit que c'est 4 équipes ça. Et puis, dans groupe 2-1,
dans groupe FDE, qui gagne Port de Paix, qui gagne Racine, qui gagne US Papay, qui gagne équipe. Qui gagne l'équipe Poissonnière. Donc, c'est l'équipe Sao qui est dans le groupe Nord 1, qui a pris un impact level de SMA. Il y a donc assisté avec Match Chanson, l'équipe à Colaglan. Ça veut dire que c'est des équipes qui connaissent, donc l'un pour l'autre, parce qu'ils ont joué à deux reprises dans le championnat. L'un pour trois, et ils ont chacun pris trois points dans la compétition. Chanson 2.3 points sur Accolade, Accolade 2.3 points sur l'équipe. Chanson. Ça veut dire que hier, c'était donc, c'est deux équipes, l'un contre l'autre, qui t'a joué. Effectivement, il fait 0-0 malgré. Donc, il y a pas mal d'occasions qui peuvent être chanson blanc raté, il veut face à Bergadin. Donc, ballon va rentrer dans le filet. C'était donc, il y a un bel match en plan d'ensemble pour tous les équipes. Parce que ni beaucoup d'équipes racines, il était raté en plus il était raté et pas mal de goals tout mais et pour l'équipe chanson il a raté plus goal il était une plus occasion en or donc trouver donc attaquant avec gardien à plus à deux ou que ballon va rentrer dans le c'est pas bagaille extraordinaire mais c'est un très bel match donc un match qui finit 0-0 donc deuxième match dans journée ça va le mettre à Esbourg Verret. Mais à Esboël, d'avoir gagné raison sur l'équipe Verret 3-2. C'est-à-dire qu'il baille l'autre avantage à l'équipe de Chanson pour la qualification pour le groupe ça. Parce que c'est l'équipe qui est plus loin. Avant tout, nous avons là Miguel Canales, capitaine depuis Chili. Nous avons là Nixon. Qui m'a dit comment pas de payer dans le playoff là, vraiment là, et pas de payer qui te perdit la première rencontre, et pas de payer même vraiment qui parle gagner pour jouer. Je dis, hein, Lixon parle de ça, pour te parler pour parler de ça en aller la pointe. Exactement, Napoli Chassol, non, Chassol passe avec 4 points, et avec une différence de plus 2, puisque il ne pourra prendre un goal dans le championnat. Dans le playoff, le troisième match va le même jouer face à l'équipe Verret. C'est-à-dire que Verret, dans le troisième match, c'est pour un match décisif pour l'équipe FC Chanson-Lan qui va aller à l'Ouest. C'est une victoire, mais qui va permettre que l'équipe Chanson-Lan qualifie pour la finale. Donc, c'est parce que nous disons que c'est l'équipe qui finit avec plus de points, c'est l'équipe qui va gagner pour aller à la finale. Depuis Chanson-Lan, les mêmes font victoire, les Babouins connaissent ça à l'autre manière. Non, il va besoin qu'on doule pour AS Boel ni à Colade. Ce sont victoires tout simplement parce que AS Verret qui vient un point. Oui, n'a pas entendu là. OK, équipe Verret là qui vient 4. Ah non, donc c'est bas pour l'équipe de son sol, équipe FC son sol là-bas. Vous comprenez qui calcule moi là pour être calcul si Chancel fait match avec Verret et où t'as gagné Boel qui t'a battu à Colade, c'est Boel qui a passé. Parce que Chancel a. Oui, c'est Boel qui a passé à 6 points. À 5 points. Et quand il y a Boel à passé. Exactement, c'est. Et si toutefois que. C'est à Colade qui a battu Boel, à Colade a passé à 5 points, et si toutefois, à Colade fait battre AS Boel, équipe vert la battre Chansol, par exemple, eh bien, si c'est Chansol qui a passé pour différents buts, la passer sous équipe à Colabia s'il t'a arrêté si que Sprovichov qui me fait arrêter pour t'a passé. Mais Chanson pas de l'ESC bat l'équipe vers les plans pour que yo aller en finale. Donc pour aujourd'hui Port de Paix sera bien pour jouer face à deuxième équipe de la Cour Gourmand qui sera Racing de Gourmand. Eh bien, je dis encore de préparer à l'heureux, s'il t'a voulu, et te suivre, et poursuivre cette compétition.
Donc, qui pas d'aller aller, ou si vous êtes battu à son niveau bon, pour être capable de et confiant dans le dernier match, donc, puisque, à une portion de gain 3 points, et équipe Racine a gagné 0 points, équipe Yassapa a gagné 3 points. Donc, c'est dès qu'il gagne 3 points, au cap je dis, dès qu'il gagne 0 points, c'est au cap je dis à tout. Donc, c'est entre quoi de paix à Racine de Goumon, Yassapa et Yassapa sont des, ça même je dis à un bon gagnant ou bien un bon match, si bon match, on a tout le monde passé à 4 points, si on s'en débat, la passe à 6 points, si que et il est pas capable de passer à 6 points, mais si son match n'a pas à 4 points, corps de paix ou bien Racine Goumon, eh bien, il y a supposé souquer Koyo, soit pas de paix, puisque donc, il y a une victoire, donc c'est un marqué, il y a un léger avantage, et, ou bien on a un avantage tout petit ici. Oui, la Niabgad est là, et bon, l'équipe de paix là, et noté. C'est ça, l'équipe pour depuis à la nous attendons un peu le bagage de l'équipe ça. Et surtout, le Saint-Louis lui-même n'est pas qualifié. Mais bon, comment le Saint-Louis n'est pas qualifié. Nous espérons que vous êtes capable de jouer Chansol ou bien pour de paix. Mais Chansol lui-même vraiment là, qui toujours son bon lancé là. Nous avons prêté pour nous attendre pour nous dire y a une équipe nord-ouest là, qui va monter en première division. C'est ça, la prête. C'est soin nous. Mais c'est pas ça qui parle de vous faites, mais n'apprenez pas pour nous tendre, pour nous connaître la prête. Bon, et de, nous capables parler, nous capables nous capables de discuter, nous a décidé, mais c'est l'équipe et ces joueurs qui parlent décider, qui parlent avantage à l'équipe, parce que c'est pas sur le terrain, mais c'est nous capables de tout de rien. Donc là, mais rien pas fait, puisque cette équipe-là, et joueurs qui vont mettre tête ensemble pour avancer, pour permettre que bon avantage, parce que pour nous parler en jeu. Bon, et c'est ça, et on a pris pour nous tendre pour suivre. Maintenant, dans ce site-là, et la prêta, bataille-là lui-même, son bataille qui est tout à fait intéressant. Après Mathilde entre Violette et l'Aigle Noir. Et bataille-là lui-même, il parle dans la dernière journée là. Et surtout, nous parlons gagner là, équipe Aigle Noir qui parle bouger avec Éclat de Petit Guap, puisque Éclat de Petit Guap déjà éliminé. Et il n'est pas capable de jouer première division. Hein? Violette, AS Akin. Violette gagne 4 points. Akin gagne 3 points, puisque Akin font victoire sur l'équipe Éclat de Petit Guap là. Akin lui-même les relancé le matin là. La prête. Bon, effectivement, je vous dis là, monsieur Oussoud, donc, Dieu le sait, son Dieu, tout le monde a peur, parce que, quand même, bien d'accord, ça va l'abriter quand même. Soit, aigle noir ou bien, violette, bien d'abriter. Parce que, dans le classement, violette, bien 4 points avec une distance plus 3, aigle noir, bien 4 points avec une distance plus 2, à 15, bien 3 points, et avec, qui bien 0 points avec une distance moins 0, moins 5. C'est-à-dire que vous allez voir la dernière journée, donc ça que M. Kochafo ne peut pas de calcul, parce que Massa a supposé jouer en même temps. Parce que c'était à 3h, tout le monde a joué à 3h, donc vous ne pouvez pas avoir une force sur le côté. C'est ça, moi-même, il faut calculer de ça. Je bien là, quand elle a regardé, là, Zico, lui, depuis Barcelone, nous salons Zico. Elle a regardé là, rencontre je ne t'ai dit là tous les rencontres ça va même là mais non même là sous qui t'es au Paris jouer c'est ça sous qui t'es au Paris jouer ça c'est un autre problème là pour être mais le cas oui Valetti qui n'a dans la région métropolitaine dans la où il faut bien grossier. Il était à jouer en l'air dans la commune et Pétionville en l'air, il était à jouer le parc Saint-Thérèse. Est-ce que, oh, la commission a été là pour les jouer où c'est la fédération des gens qui ont été là, Grécier, Pagdadadou. Oui, il n'y a pas de gens qui ont été là, il n'y a pas de quoi se battre. Il parle tout parc la paix. Oui, pas que la paix aussi. Mais si tu voulais juste monter cette étiquette de la jeu, pas que c'est intéressant, tu veux dans les actes, tu fais tous les matchs en même temps, parce que là, tu as créé une confusion. Et l'équipe qui va jouer deuxième, non, pas le qui est la première affaire, ça va faire en fait.
Bon, en tout cas là, on va continuer. Là, faut qu'on le comprenne, on calcule, parce qu'il y a une équipe qui va le faire calcul. L'homme, si je joue à 3 heures, et je vais jouer au résultat, pas jouer, mais dernier match, deuxième match, on est à Kavate là-bas. Et nous qui est là, et John J. Besla, et M. Dike, il y a une équipe qui n'a pas fait playoff. Il y a un playoff, il n'a pas monté. La voix. Non, nous John qui dit que une équipe au Caio pas fait playoff. Il y a déjà dans playoff, il va pas monter en première division, ensemble c'est ça monsieur de table dit à la prête. Oui, ça arrive parce que l'Amérique a bien positionné là venir là, les Américains fait des victoires. Mais on regarde des possibilités pour Ake là. Et Ake qui a 3 points et si Ake t'as arrivé si Ake t'a arrivé bat équipe violette là et ou t'as joué un match nil pour équipe aigle noir et aigle noir pas terminé à 5 points et puis Ake pas gagné 6 points c'est ça la possibilité ça arrive là à la pointe et pour équipe aigle c'est ça aller loin. So, ça a été à déterminer sous terrain la prête. Non, au grand jamais, on va regarder ça parce qu'on va faire un coup de passer l'entraîneur dans le jour. Donc, Dieu qui connaît. Bon, Dieu qui connaît avec le joueur ensemble, il va travailler pour qu'il y ait avantage dans la zone. Et on a profité de saluer Rodney, artiste panouan, Rodney sexy, Rodney Joseph. Nous saluons Rodney Joseph. Bon, et on a regardé là. Championnat ça qui est tout à fait intéressant, mais nous parlons de temps pour nous suivre, pour nous connaître. Mais je dis là, a gagné une rencontre qui a gagné pour jouer, surtout dans la zone Nord-Déan, les mêmes rencontres Racine Gaumont a joué avec Port de Paix, ou gagné pour son triomphe de Liancourt. Et puis dans site 2 en lui-même, América de Cali AS Gangouave, Club Sportif Saint-Louis ou Lado de la Gonave. Les n'a regardé équipe América lui-même. América qui a 3 points ou gagné équipe AGG Club Sportif Saint-Louis équipe Sayo a un gain point la pointe. Effectivement, nous souhaitons déjà bonne chance à l'équipe. Oui, Sam qui est là. Et voilà, est-ce que nous perdons la pointe là, mesdames et messieurs. Pablo aussi, émission Barouan qui c'est Univers de Sport avec Zimpa ou le foot boutis. Alors, oui, la pointe. Ouais. Exactement. Donc, nous souhaitons déjà bonne chance à l'équipe. Ouais, c'est ça. Et. Vraiment là, et signal là, mais après, c'est nous là, mesdames et messieurs. Nous avons gagné là, et puis c'est qu'on championne la 3e division, tout, qui a fait, nous avons dit la prêta. Nous avons dit la prêta là, mesdames et messieurs, Pablo Wassiv, émission Barouan, qui c'est Univers de Sport, avec Zimpa World Foot Boutis à l'antenne. Nous avons dit Lixon Palme, est-ce qu'on connaît le nom? La prêta, directeur Pano, depuis Saint-Louis, dit non. Et c'est ça, et bon. En tout cas, là, équipe América qui gagne 3 points, qui balgue pour jouer avec AS Gongwav. Depuis América lui-même, t'as arrivé battre jeudi 1. Et côté América lui-même, vraiment là, et nous gagnons la prêta là. C'est après le nom là, on prend la prêta. Oui, la prêta, nous t'es perdu, où, Zami Pam? La prêta. Ouais. Oui, communication découpée. Mm-hmm. Donc, nous avons dit que nous souhaitons déjà bonne chance à l'équipe qui sont dans le département de l'Ouest, donc pour FC Chanson, donc qui est toujours en bonne position et qui est toujours bien chauffé pour capable de qualifier pour finale. Donc, qui va jouer avec une équipe
groupe B, toujours dans le groupe là, soit pour sauver ou bien hier, ça paye, donc je ne pas fermé. Donc on ne sait pas, mais après tel, mais il y a plus de chance de sauver avec hier, pour sauver, qui va bien pour faire final le groupe là. Donc vous avez hier, pour sauver, qui en flèche, il y a déjà assez de faire victoire, donc les pires préqualifications. Donc nous souhaitons donc bonne chance à l'équipe Sayo. Nous souhaitons que Nord-Ouest ATR, qui va faire que pas fait BKP, donc nous avons équipe qui monte en première division pour avoir un date 17 assez. C'est ça. Et la prête à nous qui. Ça y est dans le monde là, et nous connaissons le championnat 3ème division, qui est équipe en s'affolé à lui-même qui qualifié. Bon, dis-nous comment ça a dépassé si tu au niveau de la 3ème division, puisque nous connaissons l'équipe en s'affolé à vraiment là, qui te font victoire. En s'affoler, a bien pour jouer, donc soit bien merci de vrai. Et dernier match, c'est pour la partie Marie, parce que match était supposé jouer du côté de Saint-Louis du Nord. Donc, par exemple, il y a un petit litige entre M. Safolé et M. Saint-Louis du Nord. Match là, il n'y a pas arrivé à jouer en roi. Il n'y a pas pu jouer dans le parc Nelson de Petit Frère. La jouer la caille et pardon pas qui marque les deux maris. Donc c'est ça qui nous gagne comme information. C'est vrai demain jeudi, c'est entre Vapor. Si toutefois l'équipe en s'affolé à battre Vapor de Wanamet, eh bien équipe Chosol là, pardon, équipe en s'affolé à tout monter en deuxième division. Mm-hmm. Que... Mm-hmm. On va continuer la présence. Mais que quel que soit Brésil, malgré ça donc compétition pas camper pour équipe chance pour équipe pour sa foléa, mais l'a toujours continué, mais il y a l'a tour une qualification la même. En tout cas là, tu as vraiment équipe équipe sa foléa les mêmes, tu as vraiment avancé, c'est ça. C'est l'équipe là pas longtemps qu'elle est créée là. Et équipe là, c'est la première année entre qui ont participé dans le championnat 3ème division. Donc, ils ont atteint phase playoff. Et donc, ils ont la dernière ligne droite. Puis, qu'on y a fait une qualification pour la première division, pardon, pour la 10ème division l'année prochaine. Bon, c'est ça. Et on a arrêté pour nous attendre. Pour nous connaître vraiment, est-ce équipe en s'affoléant? Pour aller là pour jouer au niveau de la deuxième division. Mais après ça, là, pas rien d'autre activité dans le département, là, après ça? Non, pas rien d'autre activité. À part de ça, c'est seulement play-off de troisième division et de deuxième division. On t'a parlé de taekwondo, oui, après ça. Donc, au niveau de taekwondo, c'est pas au niveau de national, mais. Au niveau de national, c'est pour le championnat, donc pour être capable d'honorer, ou bien au tournoi, disons, pour être capable d'honorer, donc, monsieur ancien président Léo Catray, qui est actuellement président d'honneur de la Fédération haïtienne de football, monsieur Léo Catray, qui passait plus passé de 28 ans à 30 ans dans la tête Catray Kondo dans le pays d'Haïti, donc, monsieur qui, actuellement, nous connaît que monsieur, c'est président d'honneur et fédération, mais président actuellement, c'est monsieur Osner Frenel, donc, qui c'est président actuel, président fédération haïtienne de Taekwondo. Donc, il a honoré lui dans le tournoi qui a, donc, il va prendre c'est l'Elmou, il va honorer, vendre un garçon ça, mais, demain vendredi, il va faire un tournoi pour être capable d'honorer. Bon, moi-même, donc, monsieur, une sélection, sélectionné parmi, donc, la meilleure athlète, pardon, et habite, et qui a fait partie du code arbitrage qui va gagner pour gérer et tout ça, et va décider dans le centre sport pour l'espoir. Donc, c'est, là, c'est compétition pour la fête. Et puis, samedi, dimanche, c'est pour l'Assemblée générale qui va faire dans le Saint-Marc. Donc, dans le cadre de l'Assemblée générale, ça, c'est pour le 25e. Et c'est 25e Assemblée Générale Fédération Haïtienne de football. Pardon, de Taekwondo a bien pour organiser dans la ville Saint-Marc. C'est ça. Et on a prouvé ça, les Python et Wall, directeur par nous depuis Port-au-Prince. Et on a demandé des amis qui sont capables de continuer à partager live là, inviter des amis pour capables suivre l'émission. Si là,
Eh, la présentation est là et n'a prêté pour une tonne pour suivre et surtout n'a obtenu toutes dernières informations avec vous-même. Vraiment là, ou même saisir nous dans le département et nous ça notamment à Port de Paix et surtout M. Saint-Louis tout, avec directeur Only au Cap, c'est Grégory Pierre avec un staff très solide, monsieur. Et si Saint-Louis nous vit vraiment là, avancer comme ça. Et c'est grâce à nous-mêmes, messieurs. Pour collaboration par nous qui fait que TVA a lui-même vraiment à marcher à grand pas, Alexandre Palmis, la Bretta. Donc, nous souhaitons que si tout le monde a bien marché, bon, nous espérons que nos fanatiques Saint-Louis TV va suivre la compétition tournoi Taekwondo sur le page Saint-Louis TV. Donc, sur tout le réseau, nous allons suivre la compétition avant de décider si nous ne pas moins. Ah, c'est ça. Et la poète a zami pas, mais nous comptons pour avant tout, bonne dernière mot ça. Et nous allons go final entre AS Tigres avec équipe Akola de Léogan, la poète au niveau de Coupe du Parlement. AS Tigres Anakaona de Léogan, donc c'est nous devons être en Albayo, donc nous devons possibilité de équipe Aigle Noir, donc équipe Aigle Brillant. Mm-hmm. C'est une très bonne équipe, bon côté mesdames. Donc, je sais que donc mesdames ont travaillé très dur, pour que, donc, puisque AS Tigres c'est pour le quatrième finale, c'est une marron de nous, et voilà, c'est le cinquième finale, oui, là. Si vous arrivez là, ça va pas être, tu as pas affilé, mais il y a déjà 5 titres déjà. Exactement. Yo, donc c'est son équipe à STGS qui est au fond de la championnat et Lilian de Graba. Donc monsieur est retourné à la compétition. On voit que l'équipe à STGS est toujours bien formée. Donc il n'y a pas gardé formé toujours bien formée. Mm-hmm. Là, la pointe. Oui, c'est ça. Et... oui, c'est ça. Non. Oui. On va continuer. Je suis capable de terminer. Vas-y à la pointe. Allô? Vous mettez continuer. Oui, donc, monsieur. C'est-à-dire que c'est pas une belle finale. C'est pas une belle finale entre AS Tigres et puis Anakaona de Léogan. Donc, mesdames Léogan, elles sont en forme. Donc, elles ont un football dans le jeu. Donc, nous pouvons l'espérer. Donc, qui est le meilleur gars? Donc, entre AS Tigres et puis Anakaona de Léogan. Bon, tout le cas, la poète à Zami pas, mais nous sommes contents pour nous gagner et nous expliquer, nous prêter en combinaison, mon ami. C'est un plaisir pour nous participer dans show pays, dans show monde là, donc avec PDG non une faute de Boutis. C'était Palme Sexon. La poète à depuis Port de Paix, département de ce pays, nous avons pour nous retendre encore. Ok, d'accord, ça va, mon ami. Allez, et ciao. C'est ça. Et mesdames et messieurs, c'est donc directeur par nous, Lixon Palmeris, connaissez le nom, la prête. Mesdames et messieurs, nous parlons légère pause. Après posant, côté Nabrien là, pour nous faire un coup de pied à l'étranger. Nous parlons pour nous de la Ligue des Champions et te gagner une coupe qui était arrivé jouer. Et côté nous parlons pour nous faire le prêt concernant de l'information SAO. Avec un pilote encore, mesdames et messieurs, à l'espace. De l'univers des sports. Jamais de ma vie, distance pas fait m'blier ou c'est lui. Côté un bon l'aime t'a grandi. La société prend ma deux bras l'ouvrir. Qu'on y aime dans l'autre pays. Mais je m'pas rêvé ou l'aime dormi. Là m'fait face à toute malheur. Où c'est celle côté m'senti l'esprit. M'en fait. Yeah, yeah. Où toujours n'en guerre. Sous tête jubilé, ou un ciel acclamé tout
parler. Fais moi toute côte à flotter. Une très belle vie à contempler. En pile monde visiter, content je ne plaisir à hospitalité. Fête patronale belle femme tout côté son défilé. L'œil au sourire belle tout beauté. Yeah. Welcome to Saint-Louis du Nord. Belle entrée, oh non. Là pour nous tirage au sort de la Ligue des Champions. Tirage au sort pour les huitièmes de finale. C'est nous parler équipe Schalke 04. Yo même qui parle pour rencontrer avec Manchester City. Côté pays l'Allemagne, yo même yo bon trois représentants, même j'ai avec l'Espagne. Mais dans le pays l'Angleterre, même voilà, là, il y a 4 représentants dans le pays l'Angleterre, mesdames et messieurs. C'est Manchester City, Manchester United, Chelsea et Tottenham.
Et affichons, mesdames et messieurs, côté nous parler là. Schalke 04 qui va répondre côté avec Schalke 04 de l'Allemagne. Parler pour jouer avec Manchester City de l'Angleterre. Até Madrid de l'Espagne. A parler pour jouer avec Juventus de l'Italie. Manchester United de l'Angleterre. Après pour jouer avec Paris Saint-Germain de la France. Tottenham de l'Angleterre. Borussia Dortmund de l'Allemagne. Et puis donc, côté de nous parler notamment rencontre Lyon de la France. Parler pour jouer avec FC Barcelone de l'Espagne. Ajax, Amsterdam de la Hollande, après pour rencontrer avec l'équipe Real Madrid. Bayern Munich de l'Allemagne, après pour jouer avec Liverpool de l'Angleterre. C'est une affiche pas tout à fait intéressant, mesdames et messieurs. Et puis donc, il y a AS Rome de l'Italie, même, qui parle pour jouer avec FC Porto. Qui sorti dans le pays Portugal, mesdames et messieurs, c'est Afisao qui en termes de tir au sort qui est arrivé fait pour les huitièmes de finale. Ou même, ou capable de nous prendre vie par où, capable de texte nous. Et qui équipe, ou pensez qui est capable de passer pour les quarts de finale. Et c'est ça, et on a profité de saler Michel Mireille. Belle et bien connectée avec nous. On va nous prendre vie par où, qui sont pensés pour Afisayo, pour les 8e de finale. On va texte nous en bas vidéo. Et Schalke 04, Manchester City. Et Atletico Madrid, Juventus. Manchester United, Paris Saint-Germain. Et nous avons gagné tout notamment. Équipe Tottenham Dortmund, Lyon, FC Barcelone, AS Rome, FC Porto, et Ajax, Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool, c'est Afisayo qui parle là pour les huitièmes de finale. Mesdames et messieurs, capable toujours bon point de vie par haut, qui sont pensés de tirer à Afisayo. Et si tout parler, on a tiré Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, équipe Dortmund, FC Barcelone, Porto, Real Madrid, équipe Sao, Liverpool, et en termes de Bayern Munich, Real Madrid, équipe Sao, c'est donc tête de série, mesdames et messieurs. Rapidement, mesdames et messieurs, nous avons vu dans Europa League, quand il y a un tirage au sort qui était fait pour les 16e de finale. Et on a fait Europa League, équipe Victoria Pleven à propos d'avec Dynamo Zagreb, FC Bruges, Salzbourg, Rapid Vienne, Inter de Milan, Slava Prague à propos avec Gang, Krasnodar et à propos d'avec Bayer Leverkusen, FC Zurich, eux-mêmes à rencontrer avec équipe Naples. On a pris Malmo de la Suède qui a proposé avec l'équipe Chelsea de l'Angleterre. Shakhtar Donetsk, équipe Fontfontland. Celtic Glasgow de l'Écosse a proposé avec FC Valence. Rennes Betis Séville. Équipe Olympiakos a proposé avec l'équipe Dynamo Kiev. Lazio de Rome, FC Séville, Fenerbahçe, Zenit Saint-Pétersbourg de la Russie, Sporting qui sont dans le pays Portugal avec Villarreal. Vous gagnez la bat Borisov Arsenal. Galatasaray après pour vous avec Fenerbahçe. Mesdames et messieurs, c'est Afisaola, moment là qui présentait pour la 16e de finale dans ce qui concerne Europa League, mesdames et messieurs.
Mesdames et messieurs, rapidement, Lionel Messi, monsieur qui veut recevoir un cinquième ballon d'Oli. Messi lui-même vraiment là, qui est fini comme meilleur buteur européen pour saison 2017-2018 là. Et Messi lui-même qui recevoir cinquième sur le Dolly là. Écoutez, monsieur lui-même vraiment là. Ligue tout ça pour l'Isselie là. William Villa. Nous saluons mon ami. Jérémy Abdilan là. Lionel Messi, monsieur là, dans un rôle parlé là. Écoutez lui-même, il recevoir ce qui est ballon d'Oli là. Et lui-même, il évoque, en quelque sorte, lui-même, il dévance. Et Cristiano Ronaldo lui-même qui était à 4 ballons d'Oli là. Et c'était donc une cérémonie vraiment là, il était organisé. Et côté Macat est organisé, cérémonie ça, côté Barcelona lui-même, Messi lui-même qui était recevoir ce qui est ballon d'Oli là. Vraiment là, et nous sommes capables de dire que Messi qui était fini comme meilleur buteur pour saison qui était écoulé en, avec 34 goals qu'il était marqué pour saison 2017-2018 là, et lui-même qui dévance Cristiano Ronaldo ou encore Mohamed Salah ou encore Harry Kane. Bah oui, Kadi, Messi là vraiment là qui était APC, voilà, c'était capable de target Messi, mais Messi lui-même vraiment là qui recevra 5e. Ballon d'Oli là, saison 2009-2010, il était marqué 34 goals. 2011-2012, il était marqué 50 goals. 2012-2013, il était marqué 46. 2016 et 2017, il était marqué 37. Il était argentin lui-même vraiment là. Qui lui-même, qui est fini à 34 goals pour saison qui était écoulé. Hein. Et Lionel Messi lui-même, il fait connaître que. Il n'y a pas de temps que l'État balle dans deux buts carrières là, il n'y a pas de temps que l'État balle gagne un petit saut là. Mais il faut qu'on ait la profité et la travaille dans le meilleur club blanc. Il a profité ça. Et côté lui-même, il a un meilleur joueur dans le monde qui est avec lui là. Et il faut qu'on ait les bagailles viennent plus facile pour lui. Et il faut qu'on ait il est capable de remporter. Et tout ça, et c'est ça que Lionel Messi lui-même l'a déclaré. Et mesdames, et messieurs. Mais en termes de coup franc, et Lionel Messi là, monsieur, qui a bien fait là, mesdames et messieurs, et monsieur là, qui a bien fait là, en termes de coup de pied arrêté là. Coup de pied arrêté là, monsieur lui-même sont spécialistes dans ça. Au début de carrière là, écoutez là, monsieur pas tellement fait comme ça, mais nous voyons que monsieur vraiment là, monsieur lui-même vraiment qui a un coup franc là, monsieur a lagué ballon dans le filet. Et 2009, il était simplement un seul coup franc direct qu'il était fait. Et coup de pied arrêté qui était goal, 2010 en sel, 2011 en sel, et 2012 il était réussi, on a fait de 3. Et donc, au fil de pendant que la vie là, il a continué à marquer, et notamment, monsieur lui-même en 2013 il était marqué 3, en termes de coup de pied arrêté, voilà. 2014 il était fait 2. 2014-2015, il était marqué 2. Et 2015-2016, il était marqué 4. Et 2017, il était fait 2. 2018, là, 2017-2018, il était marqué 6. Ça qui concerne les coups de pied arrêtés. Mais sauf là, mais c'est pour saison là, 2018-2019, là, il était déjà marqué 3 coups de pied arrêtés, mesdames et messieurs. Mais c'est lui-même vraiment là qui a fait les là. Et c'est devenu un spécialiste. Dans le domaine ça, mesdames et messieurs, depuis 2014, Messi lui-même en termes de coup franc direct, depuis 2014, Messi lui-même dans 5 grands championnats là, et Messi lui-même c'est quoi qui est lié dans ça. C'est ça, Messi c'est quoi qui est lié dans ça. Et Messi lui-même, depuis 2014, il m'a qu'on a fait de 19 coup franc direct, mesdames et messieurs, depuis 2014, et Messi lui-même vraiment là, qui a fait les là, et les mêmes signes pour l'équipe là, les devancer et Juventus, simplement Messi marqué 19.
Ouais. Et pour dans l'ensemble de l'équipe Juventus, il y a marqué 18. Real Madrid, qui est en troisième, il y a marqué 14. Lyon, 14. Et au Guinée, il y a un cinquième, il y a marqué 14. Bayern Munich, qui est en sixième, il y a marqué 13. Et 13, ensemble, équipe là, c'est pas un joueur. Et au Guinée, là, Paris Saint-Germain en septième, qui marque 12. Au Guinée, Monaco marque 12. Sampdoria, même qui marque 12. Mais pour Lionel Messi, Lissel Lila, depuis 2014, monsieur lui-même, en termes de coup de pied arrêté là, monsieur marqué 19 fois, mesdames et messieurs. Et pour l'équipe FC Barcelone, vraiment, c'est Lionel Messi pour contre lui. Il marque, il marque 19, mesdames et messieurs. C'est la projection de l'Angleterre pour Nalouai. Révocation de José Mourinho. José Mourinho, monsieur, lui-même là. Qui va dans tête équipe Manchester United là. Après quelques heures après tirage au sort de la Ligue des Champions pour les 8e de finale. José Mourinho, monsieur, lui-même. Il y a une révocation là. Dans équipe Manchester United là. José Mourinho, monsieur là. Et monsieur. Et la performance li avec l'équipe Manchester United là, lui-même vraiment là. Et c'est pour la première fois dans la carrière José Mourinho pendant la prochaine de 15 ans là. C'est pour la première fois là. Et monsieur un bilan comme ça, un bilan vraiment là qui est très bas comme ça, mesdames et messieurs. Et surtout dans l'équipe Manchester United là, là monsieur là, il y a un problème avec dirigeant. Et surtout déclaration li envers joueur là, surtout Paul Pogba. Et l'autre joueur là, Anthony Martial, ou bien Alexis Sanchez, et José Mourinho, monsieur là, il traite monsieur là, et il critique monsieur là dans la presse, monsieur là vraiment, et c'est quelque côté monsieur parce que c'est lui-même qui est superstar, et monsieur tellement intelligent, lui-même vraiment là, il a révoqué lui là, et monsieur lui-même fait l'argent. Et monsieur fin riche, mesdames et messieurs, dans ça qui concerne révocation monsieur là, depuis dans tout te révoqué là dans équipe Chelsea deux fois et puis donc équipe Real Madrid révoqué dans tes prévoté dans photo bon capable là dans l'ensemble monsieur sorti avec 62 millions d'euros, mesdames et messieurs. Vous êtes tellement intelligent, mesdames et messieurs, le contrat vous fait. Si vous voyez José Mourinho aller en avant l'aile, vraiment là, Mourinho n'a pas sorti comme ça. Mourinho a sorti avec l'argent. Dans la carrière, monsieur là, monsieur déjà là, compilé une affaire de 62 millions d'euros. Là, vous voyez monsieur aller là, dans close contrat aller là, on petit close là, on petit bail signé, ciao. Et depuis que vous voyez José Mourinho aller, faut nous payer le reste l'argent. Bon, en tous les cas, et Manchester United là, pas le gars là, pour chercher un autre entraîneur. En termes, il n'y a pas besoin d'un entraîneur par intérim. Mais, il parle de Pochettino, c'est là qui a entraîné l'équipe Tottenham là, argentin. Et côté de faire connaître que c'est lui-même capable de prendre l'équipe Manchester United là. Mais Pochettino fait connaître que. Li en forme, en dans équipe, tout un amelant dossier à suivre, mesdames et messieurs. Et puis donc, dans l'autre information, mesdames et messieurs, nous parlons là pour nous Coupio qui a fait, et surtout nous gagnons équipe La France même en termes de Paris Saint-Germain et La France, eux même qui te gagné là et coupe là devant Orléans, et devant Orléans, un rencontre qui était arrivé jeu, mesdames et messieurs. Et écoutez, hier, un rencontre qui était arrivé jeu, Paris Saint-Germain eux-mêmes, qui était arrivé faire victoire, sans problème. Mesdames et messieurs, bon, nous avons gagné là, notamment, rencontre Paris Saint-Germain en Orléans, c'était 2 goals à 1, et Edison Cavani, mais ça a été marqué. Et dans ça, il concerne 8e journée, le championnat. De façon les mêmes camps Toulouse, c'était donc 2 à 1 pour l'équipe camp.
Et dans le championnat d'Italie, lui-même, nous avons gagné là, Bologne, Milan, c'est le AFF Machil, Zobi Batou, dans le championnat, avant qu'il y ait dans le championnat d'Allemagne, lui-même, dans ça qui concerne les Cup, les Manchester City, lui-même, qui était tombé devant l'équipe, Manchester City, lui-même, dans le tir au but 3-1, lui-même, côté, nous avons gagné là, équipe Manchester City, lui-même, qui est arrivé battre Leicester City. Et dans ce qui concerne les Ligue Cup, lui-même, dans le pays, l'Angleterre. Rencontre Bito Albion, lui-même, Yongola, c'était donc Albion qui était battu à Milos Mons, en fait, de Yongol à 0. Et dans ce qui concerne la Coupe de France, jeudi en Amiens-Lyon, à Balguin, la Monaco-Lorient, Rennes, Nantes, Le Havre, Nîmes. Dijon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Nice, Caen. Et puis donc, dans le pays de l'Allemagne, équipe et Schalke 04 là, les mêmes qui connaît première défaite là dans le championnat d'Allemagne là. Et nous avons gagné là, Hertha Berlin, Wolfsburg 2 goals partout, Wolfsburg, Stuttgart 2-0 pour équipe Wolfsburg 1. Fortuna Düsseldorf fait tomber en Dortmund 2-1, Dortmund qui connaît première défaite pour saison 1. Borussia Mönchengladbach qui bat l'équipe Nuremberg 2-0. Jeudi 1, le coach qui a bien pour jouer dans le pays de l'Allemagne. Schalke 04, lui-même qui a rencontré avec l'équipe Bayer Leverkusen. Bayern Munich, Leipzig, Werder Bremen, Offenheim, Fribourg, Hanovre 96, Mayence, Frankfurt, mesdames et messieurs. Et n'a gagné tout dans la Coupe d'Angleterre. Chelsea a gagné jouer avec Bournemouth, Arsenal, Tottenham. Rencontre qui a gagné pour jouer, mesdames et messieurs. Et puis donc, dans d'autres informations, mesdames et messieurs, dans ça qui concerne Coupe du Monde des clubs, équipe Real Madrid là, les mêmes vraiment là, Paul Gué là pour jouer. Et mesdames et messieurs, mais avant tout, Espérance de Tunisie eux-mêmes qui passait sous club mexicain les mêmes Guadalajara et notre tir au but Tariq Clément c'était un goal partout et nous tabaler notre tir au but lui-même Espérance de Tunisie eux-mêmes et Yotabal arrivé imposé 6-5 et puis donc River Plate à l'AIM et dans demi-finale vraiment là équipe River Plate là lui-même est tombé devant l'AIM là lui-même équipe Emirati lui-même qui qualifié. Et pour finale, là, c'est là. Je dis, hein, à bien rencontre qui a bien pour jouer côté de Balguin là. Équipe Real Madrid là, lui-même, qui parle pour entrer dans la bataille. C'est une rencontre qui va tout à fait intéressant, mesdames et messieurs. Real Madrid, vraiment, a bien pour jouer avec équipe japonaise lui-même, qui c'est Kashima Antler. Et rencontre vraiment là, Real Madrid qui a bien pour jouer avec équipe japonaise, mais c'est qui c'est Kashima Real Madrid qui s'était dans le titre. Nous parlons de suivre pour nous connaître vraiment comment lui-même ça parlait pour équipe Real Madrid, là, mesdames et messieurs. Et puis donc dans NBA lui-même rencontre qui était arrivé jouer, surtout nous avons gagné rencontre qui était joué, pas tellement gagné en plus rencontre, mais en quelque sorte. Nous gagnons la équipe Cleveland lui-même qui bat Indiana Pacers 92-91 contre Indiana Pacers lui-même sous 7 victoires une collab avec l'autre ils font Cleveland en stopper là et Cleveland font victoire Cleveland lui-même qui fait 8e victoire là pour 23 défaites et Atlanta Hawks fait tomber équipe Washington Wizards 118-110 nous gagnons Bouclinet imposé devant équipe Los Angeles 115-110. Mesdames et messieurs, c'est tout le monde Rossel. J'ai marqué 22 près et 13-6 pour équipe Bouclinet. Je dis à rencontre à Abgain pour jouer dans NBA. C'est tout à partir de 7h. Abgain, Cleveland, Cavalier, Charlotte, San Antonio, Orlando Magic, New York Knicks, Abgain avec Philadelphia Sixers, Phoenix, Boston Celtic. Indiana Pacers, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls, et rencontre toujours Washington Wizards, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks,
Detroit Pistons a joué avec Minnesota Timberwolves. Golden State Warriors eux même pas rencontre avec équipe Utah Jazz. Memphis Grizzly, Portland Trail Blazers et Wap gagné là et surtout rencontre Oklahoma City Thunder a bien pour jouer avec équipe Sacramento Kings là, mesdames et messieurs. Donc ça qui concerne NBA, c'est ça et c'est là que nous pas mettre en bout mais nous pas quitter vivre rencontre et tempête Don Bosco de Pétionville. Mesdames et messieurs, rencontre qui était joué dans le championnat national là et côté équipe Don Bosco eux-mêmes qui était arrivé et imposé sans problème. Nous pas permettre de suivre rencontre c'est là mesdames et messieurs avec toute intégralité. Merci bien et nous côté na va retrouver dans ça concerné en parlant de sport réel, mesdames et messieurs, demain soir. Allez, ciao, à la prochaine. C'était Zami Pano, Wilfred Boutisse, qui t'a servi nous. N'apprête pas pour capable permettre de vivre comme ça, Don Bosco, avec équipe Tempête-là, mesdames et messieurs. Allez, ciao, à la prochaine. Joyeux qu'à profiter, bon petit de l'eau mouillé, gorgio, parce que chaleur dans le c'est au cap couille. Bon, le jeu va reprendre. Miral avec ses deux bouts. Ça joue maintenant avec Junior Delva dans le rond central. Ouais, t'es gué au beau déplacement là de Olive. Alors pour Delva qui va le centrer. Il continue avec son numéro. Le centre finalement. Et Bralgué au corner. Non, il va quitter le sorti. Bien aimé qui va le centrer. Danger. Deuxième raté de Tempête. Ouais, celui-là, il est certainement encore pire. Oh non, ça c'est. Oh. Il a pris son temps. Et finalement, il a raté le cadre. Ouais, on voit ça pour ça. Au moment de l'impact, tu vois, il se couche beaucoup trop vers l'arrière, tu vois. En ouvrant son pied, forcément, ça passe en-dessus. Hein. C'est pas possible. Là. C'est toujours comme ça, on veut assurer avec un plat du pied, puis le ballon s'envole. C'est vraiment la première période de Tempête. Ouais. Avec deux occasions en or. Ouais, ouais. Et c'est pas fini. Passe Bonny qui a suivi. Oh là 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 là. Il y a même trois occasions en or, si on peut celle de Bien-Aimé, celle de Bonny Pierre et là celle de Delva. Là le Tempête qui avec plus d'adresse aurait dû mener par plus d'un but à zéro. Ouais, parce que moi qui réalise. Monsieur qui manquait finition. Dégagement. Tête. Fanis qui t'a laissé faire une intervention finalement, il n'y a pas rien. La passe en profondeur en direction d'Olive. La fleur d'Olive. Elle était cadrée mais trop faible pour inquiéter Calixte qui est resté sur ses appuis. Et ça fait encore un beau parade pour Calixte qui jusqu'à présent, Poco.
Pour posséder. Ouais, disons qu'à chaque fois il est présent sur toutes les frappes, et quand il n'est pas présent, c'est le poteau qui l'y est. Donc c'est la première mi-temps du Tempête, mais aussi celle de Calix, hein, puisqu'il reste pour le moment invaincu. Justement. Oh là là, quelle passe de Jimmy Odena. Delva qui est tout près, il obtient le ballon. Delva. Ah, Delva qui a tenté le bon geste puisqu'il n'y avait pas vraiment d'option. Bonne intervention là de Fanis. Le centre. Bien joué avec Canès. Canès et Becker qui sont là. Allez, la passe de Danley. Et la bonne couverture à Dilosier. 44e minute de jeu. Tempête qui a tellement bien joué, mais Tempête qui a tellement raté. Les meilleures occasions étaient Saint-Marcoises. Et si on était converti, même un seul, il tape au moins devant dans le tableau affichage. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent faire gol et ils ne peuvent à l'abri. Et même là, ils font un gol, ils ne peuvent pas à l'abri puisque moins de gol ils prennent, problème pour eux. Il a signalé que si Tempête prend un gol avant, pression en prenant pile sous l'eau, ils vont l'obliger de faire deux gols pour deux le passer. Mais oui. Et ils auront alors tout le temps de regretter cette bonne première mi-temps. Touche pour Don Bosco. Le centre. C'était au centre de Miralex. Deuxième ballon pour le Don Bosco. Il tentait en sombrero, le Piadul. Bien joué là, bien aimé. Une minute de temps additionnel. Oh, la bonne déviation de Donny. Bonny, pardon. Fanis. À droite. Avec Mackendel. Il tentait d'alerter Thompson. Mais il y a une très bonne couverture là. Et la touche avec Mackendel. Une minute là, ça s'est passé. Et vraisemblablement, voilà. La dirigeait nous vers en mi-temps son goal. C'est en mi-temps son goal. C'est pas occasion qui bat de gagner, mais mi-temps en bas un goal. C'est 46 minutes de plaisir vraiment, mais sans but. Ouais, sans but malheureusement pour le spectacle. Bon, il y a quand même eu du spectacle, mais sans goal, disons. Mais personnellement, Greg, c'est la première fois que je vois cette saison le Don Bosco concéder autant d'occasions de but. Parce que d'habitude, on louait souvent la solidité de Becker, associé avec son coéquipier Canès.
Mais là, aujourd'hui, ça a beaucoup passé sur les côtés. On a vu le Don Bosco qui a eu du mal à se replacer et qui a eu du mal, en fait, à suivre le tempo imposé par le Tempête. On avait toujours l'impression que le Tempête avait un temps d'avance sur toutes les occasions, sur les contrôles, sur les passes, sur les tirs, sur les interventions aériennes. Le Tempête avait un temps d'avance et espérons pour eux qu'ils ne vont pas regretter en deuxième mi-temps. Oui, le Tempête qui était présent, mais franchement, première période, ça soit le booster pour le montrer que yo plus fort que Don Bosco dans le match, parce que bon, même si le match a beaucoup fini, dans le combat match surtout, soit les décourager parce que après tant d'occasions, l'on pas concrétisé un seul, il n'est pas bon pour confiance. Non, ça c'est clair. Il n'est pas bon pour confiance parce que et nous connaissons peut-être pas aimer des pressions sous dos tout. Donc s'il prend un goal dans la deuxième période là, Lika très très difficile pour lui pour le faire remontada. Mais là nous avons Tessieux qui toujours sous terrain Jean Connel, Tessieux qui plus près acteur que nous, il prend rapidement dit nous qui ça li gagne en bas pour nous. Tessieux, on allait. Alors merci donc, merci Rodi, merci Grégory, nous à la mi-temps et nous avons gagné impression. Et deux acteurs, nous avons choisi deux meneurs de jeu avec nous tout d'abord pour l'équipe du Tempête Ordena. Alors Ordena, Tempête dans la demi-finale face à l'équipe du Don Bosco de Bétionville. Nous rêvons de qualification, première période la finie. Nous avons un contrôle de jouet là, nous pas arrivé à scorer, ça a passé. Bon, ok, nous avons un contrôle de jouet là, c'est vrai, jusqu'à présent nous avons scoré. Deuxième mi-temps, quand tu as parlé avec l'équipe, deuxième mi-temps pour nous scorer parce que si nous ne pas scorer, nous allons dans la prolongation. Et c'est pas ça, nous avons besoin que c'est bien, nous voulons gagner, nous allons gommer deuxième mi-temps pour nous arriver à scorer pour nous gagner. Cette situation que nous connaissons dans le football là, on équipe qu'on a raté goal, et puis l'adversaire a eu un seul goal et puis le final. Oui, nous connaissons ça, mais quand même, nous très créatifs, nous avons veillé et nous avons attaqué. Nous avons défoncé pour ça, nous avons veillé et nous avons attaqué pour nous faire un goal dans le chercher. Ok? Merci. Donc c'était près de vue Ordena, lui-même meneur de jeu équipé les Tempêtes là, qui t'a parlé d'un ami pour nous. Nous avons Dédé et qui a le même numéro avec Ordena. Donc c'est organisateur et joueur d'équipe Don Bosco. Alors Dédé dit nous non. Qui s'est passé à ce soir? Nous voyons que Tempête prend contrôle, joueur là dans le prend contrôle match là. Déjà son match qui a pu intercéder la donne et puis nous parlons la caille, nous passons la plus comme ça. Donc la PC fait comme à l'entraînement. On a souffert d'abord et puis on a eu un résultat quand même. Ok. Pour vous-même, quelle chance Don Bosco gagne pour le qualifier à ce moment-là? Bon, c'est ça me bat qu'on est dans la chance. Donc, nous travaillons en entraînement, c'est tout normal pour nous un résultat. Donc, nous allons laisser dans l'intervalle 15 à 20 minutes pour nous commencer un casque. Mais danger a arrêté dans le canon pendant toute première période là. Donc, on dit déjà, c'est déjà nous pas là, car nous sommes matigués à plus d'intensité, donc nous sommes obligés de souffrir quand même. Mais d'accord, c'était près de vue et meneur de jeu équipe Tempête là. De toute façon, on a demi-finale retour ici au Parc Le Belt. Côté gagné, on très belle ambiance. On a rappelé que vainqueur contre Asuera là dans le Parc Le Belt, il va affronter l'US Arcaïe. Si c'est Tempête qui remporte le match là, match aller à fait ici au Parc Le Belt jeudi. Et si c'est le Don Bosco qui va remporter le match là, match aller pour finale là à fait jeudi au Parc à Sainte-Thérèse de Bétionville. Le Boko là. Égalité parfaite jusqu'à présent entre deux équipes. C'était 0 but partout à Bétionville. Eh bien, actuellement là, c'est 0 but partout au Parc Le Belt de Saint-Marc. Grégory Oudi, nous gagnons maintenant. Merci, Tessieu. Merci. On petit manque d'ambition de la part de Dédé, selon moi-même, parce que ça ne explique rien que nous, pas la caille, nous, etc. Et bon, manque d'ambition, ça veut dire d'accord que les Tempêtes plus à l'aise avec ballon que yo et grand pile l'équipe qui bat la caillou par exemple à Kayal bat Real Hop qui sont une très très belle équipe bien sûr, la bien sûr évidemment et puis il y a des terrains honnêtement Greg il y a des terrains qui sont bien plus difficiles à jouer que ici à Saint-Marc. Là c'est un bon terrain synthétique, il y a des grillages, le public est loin. Donc non, oui, je suis d'accord avec toi, ça manque un petit peu d'ambition, mais quand même, il faut bien retenir ce qu'il a dit, que pendant les 20 premières minutes en deuxième, ils vont essayer de marquer rapidement. Donc on va voir si le discours de Kenley Dédé va correspondre avec ce qu'on va voir vraiment en entame de deuxième mi-temps. Bon, espérons que Nato dit ça à Oudouetandé, parce que pour l'instant, le Don Bosco n'a pas existé. Le Don Bosco n'a pas fait un seul tir cadré dans cette première période. Donc si Oudouetandé continue comme ça, ça va en équipe qui méritait à la finale. Si Don Bosco va pas lever pied pour le rappeler le bon temps là, et c'est bah, un peu de problème parce que c'est pas joueur ou pas gain, mais c'est surtout, moi j'ai l'impression qu'ils sont terrifiés, j'ai l'impression qu'ils ont peur match là. En tout cas, nous allons voir ça dans la deuxième période là, est-ce qu'il y a toujours affiché
même comportement ça. L'état important pour nous regarder première période là en image pour nous voir comment elle était. Est-ce que nous dit vrai parce que nous sommes toujours et si vous faites jouer nous là, nous sommes toujours que Don Bosco pas d'exister. Donc c'est sur l'image qui va permettre de vérifier ça nous dire. Nous allons rapidement voir comment première période ça était avec occasion que Don Bosco était concédé. On allait. Ça c'est première occasion match là où dit mais tête là s'il était cadré Calix était battu. Ah ouais, une tête décroisée de Saturne qui s'envole forcément. Et là voici l'une des rares possibilités pour le Don Bosco de Pétionville. Son tir contré. Ouais, avec un tir contré qui finalement n'a rien à faire. Là, là c'est Ilozic sur le côté. Ça fait corner. Également voici Bodimkir qui passait là pour Ordena. Et bon ballon là sur le côté et puis cette tentative, première tentative en fait de Bien-Aimé directement sur le portier Calixte. Et là on a eu ce centre d'Ordena, il a fait pas mal de centres, ça a été renvoyé. La deuxième tentative pour Bien-Aimé et hop, à côté vraiment. Ça c'était une grosse occasion, le public de Saint-Marc était furieux. Un coup franc joué ici par Saturne avec la tête de Junior Delva, c'était directement dans les gants de Calix. Et voici une autre belle occasion, ce centre et puis la tête, ballon coupé là par la tête de Bonipierre qui s'en veut, qui tape au sol hein, directement sur le poteau, tête de Julien. Autre occasion, c'était pas longtemps après, vous voyez, avec ce ballon directement heurté dans la surface de réparation du Don Bosco, puis tentative de loin qui s'est complètement envolé. Autre occasion avec ce centre de Bien-Aimé depuis le côté gauche et là autre grosse occasion, Junior Delva qui se couche un petit peu au moment, vous voyez, de faire son plat du pied. Il veut assurer avec le plat du pied et finalement, au moment où il frappe le ballon rebondit un petit peu, vous voyez, hop là. Et le ballon finalement s'envole. Et comme on le disait, c'est souvent quand on veut assurer d'un plat du pied que le ballon décolle largement au-dessus. Hein. Ça se voit à tous les niveaux du football. Enfin, dernière occasion chaude ici avec Delva en profondeur. Heureusement Olive, vous voyez. Il était à l'aise. Ouais, il a écrasé sa frappe. Hein. On a vu les petites billes de caoutchouc qui se sont levées sur le terrain. Voilà, voilà, c'est ça. Et voilà, c'était la première période où se trouvait en pile l'occasion manquée par la formation Saint-Marcoise. Donc avec un petit cal chance, il tape peut-être 1-0 ou même 3-0. Mais il était 45 minutes encore pour qu'on est-ce qu'il y a pour regretter l'occasion ça. Ou sinon, est-ce qu'il y a Vini avec plus réalisme dans la deuxième période. Là. On a pris une petite pause, on a tourné pour la deuxième période. Là. SCD Supermarket, après plus passé 3 décennies, continuez à bannir bon service. Clients SCD Supermarket, yo, toujours satisfaits parce que les rayons de SCD sont bien assortis de produits de qualité. Légumes, bons épices, boissons alcoolisées et non alcoolisées sous étagère SCD Supermarket. Ou bien faire réception pour mariage, première communion, yon anniversaire, entrez dans SCD Supermarket. Ou abjoindre son besoin. Produits cosmétiques, produits laitiers à gogo, ustensiles de cuisine, charcuterie, appareil radio, télévision flat screen, ventilateur, matériel didactique, achetez yo dans SCD Supermarket s'il vous plaît. Ou pas regrette. SCD Supermarket. You make tears fall. I'm waiting, ready.
them, give me fire, give me wisdom to get me higher. See the ship, yes, dig the field now. Unify girls, make us feel proud. Sing forever young, sing your songs underneath the sun. Let's rejoin the beautiful game. And together at the end of the day, we hoise le drapeau pour la patrie. Marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de trépôt. Du sort, soyons seuls. Marchons unis, marchons unis. Pour le pays et pour nos terres. Des supermarkets, une plus belle, plus gros, ça veut dire plus haut, plus grand. Mobilisé pour avancer devant, parler pour tout ça qui campe sur Monsemac à toute localité avoisinante, mais pour Jean Business, nous tapons dans les vaisseaux Exocité Multiservice Bureau d'échange. Dans Exocité Multiservice Bureau d'échange, on rejoint bon Jean Tour sans coup d'envie. Exocité Multiservice Bureau d'échange. D'envoi de la deuxième mi-temps avec le Don Bosco de Pétionville et un ballon sur le côté gauche avec Hervé Joseph. Hervé Joseph qui revient sur ses pieds pour Eliader qui aime organiser le jeu depuis le bas du terrain. On a le dos destiné. On a de la tête qui cherche une solution. Déjà deux joueurs du temps pour sur lui. Canes, Eliader. On a le dos destiné. À la lutte là avec Bien-Aimé, c'est Bien-Aimé qui récupère le ballon finalement. Bien-Aimé qui revient derrière sur Iliosier. Iliosier qui baisse un petit peu le rythme avant de jouer long, voilà, vers l'avant. Déviation de la tête, attention Bonipierre là aux abords de la surface de réparation. Il reste debout, mais finalement récupéré par la défense du Don Bosco Pétionville avec Miralex Pierre. Long ballon vers l'avant, directement au fait. Au Saint-Marcois, oh, attention, mauvaise passe dans la surface de réparation. Le joueur du Don Bosco, il le dribble, attention, il va tirer. Et goal! Noël! 1-0 pour le Don Bosco de Pétionville, on l'avait dit! On l'avait dit! Ouais. Depuis on a raté, on a pris le goal. Ouais. Et finalement, la règle a été respectée. Ouais. Le Don Bosco de Pétionville mène au score. Ouais, quelle erreur sur le côté gauche, vous voyez, on revoit Naël qui rentre dans la surface de réparation, il va voilà, complètement fumer le défenseur avant de gagner son duel. Wow. Ouais, il a fait coucher là, bien aimé, vous voyez, qui s'est complètement jeté. Et ensuite il a ajusté le gardien du pied droit, il a eu l'intelligence de piquer son ballon surtout. Ce qu'a pas fait tout à l'heure bien aimé. La fin qui était de rive et net. Ouais, il fallait sortir de manière beaucoup plus virile. Un coup dur là.
Et bonne opération pour le Don Bosco de Pietionville qui condamne alors le Tempête de Saint-Marc à marquer deux goals après une si belle première mi-temps. Et ça reprend déjà avec Junior Delva, Ordena Delva, les deux mètres à jouer de cette équipe. Voilà, balle sur le côté droit avec Isobson Thompson. Est-ce qu'il aura le temps de centrer? Il va plutôt revenir derrière sur Ordena. Avec Mackendel Paul, long ballon envoyé vers l'avant dans la surface de réparation. Et duel gagné par la défense du Don Bosco de Pétionville. Et il y a une faute de Delva. Deuxième mi-temps qui commence sur des chapeaux de roue. Pour l'instant, scénario idéal qui vient confirmer, Greg, le discours au DD. Oui, oui. Finalement, il disait que dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, il voulait absolument marquer. Et puis, ça se confirme. Et voilà, justement, avec un ballon vers l'avant, directement dans les gants de Jason Origen, ex-Pétionvillois. Ballon joué à droite avec Paul. Puis Delva, il s'appuie sur Fanis, ça joue à 3, Mackendel Paul, Delva, Fanis, voilà Delva avec le ballon, il faut se relever là rapidement si possible pour ne pas se faire punir une deuxième fois, Ilosier, ballon du pied droit d'Ilosier directement dans la surface de réparation, Bonnie Pierre était là, mais finalement le ballon va aller couler jusque derrière la ligne de but de Calixte. Allez, relance de Calixte pour la poitrine de Fanis. Attention, encore un ballon perdu devant Naël, il reste debout. Et puis ce sera une faute de Naël, selon monsieur l'arbitre. Attention à ne pas multiplier les erreurs individuelles du côté du Tempête. Ça vient de leur coûter très très cher. Moindre faute de concentration. Et là on voit directement dans le dispositif que le Don Bosco est placé pour contre-attaquer. Forcément, l'avance d'un but reste quand même assez confortable. Un but à l'extérieur. Ouais, d'un but à l'extérieur, c'est confortable. Allez, Ilosier. Ilosier pour sa tournée. Mackendel Paul qui aime les ballons longs. C'est Fanis. C'est Fanis, effectivement. Mackendel Paul qui était beaucoup plus haut. Fanis étrangement bas. Dans la surface de réparation et renvoyé par Canès. Et du coup, c'est Don Bosco qui paraît plus bien cadré terrain. Ouais, ouais, là, clairement, c'est une autre deuxième mi-temps avec Danley sur le côté gauche qui accélère. Il revient sur ses pas et préfère rejouer dans l'axe du terrain. Hervé Joseph devant. Pour le moment, on revient encore derrière. Et voilà, une tempête qui a pris des ballons. On est malgré après les sous. Ouais, ouais, ils ont pris un coup sur la tête. Et c'est justement ce qu'on expliquait tout à l'heure, que c'est une équipe qui a tendance à chuter rapidement. Attention, accélération sur le côté droit de Ronaldo. Et Destiné qui lâche son ballon à droite, le centre dans la surface de réparation. Attention, mal relancé, tentative. Et c'est... Oh là là et... Ça t'a fait une clouer tout espoir. Ah ouais. Là. Ah ouais. Au mauvais dégagement, qui rejette ballon au bouli. Une tentative signée. Cet homme-là, Naël, qui est vraiment, vraiment en forme là, dans la deuxième mi-temps. Allez, Delva pour Bonnie Pierre. S'appuie sur Mackendel Paul. Allez, Paul devant pour Isobson Thompson. Il va certainement centrer, voilà le centre. Et renvoyé par Becker d'une tête plongeante, très beau geste défensif. Du chevelu de la défense. Et Delva qui cherche une solution, il préfère jouer rapide. Et Bonnie, c'est pas fini, vous dites. Il a attrapé le ballon vraiment intéressant, c'est pas terminé, centre contré. Et coup franc.
apparemment très gamin. Centre contré de la main par Hervé Joseph. Et Bonny qui ne s'attendait pas à Gréga à recevoir le ballon dans une situation aussi avantageuse. Bouffant qui va être joué. Et même botté par Junior Delva. Il y a du monde dans la surface. Parce que tout le monde est monté, ballon, premier poteau, renvoyé. Très mal botté. Hein. Ouais, comme tous les balles arrêtées juste depuis le début du match de Delva, hein, que ce soit coup franc, que ce soit corner, ça a été mal tiré. Avec McKendall Ball, ballon dans la surface de réparation, renvoyé par Canes. Ordena, tentative comme elle vient. Et Tessieux qui a été bien inspiré aussi à la mi-temps, puisqu'il a lui-même dit à Ordena, quand on ne marque pas, c'est toujours l'adversaire qui marque. On acquiert, c'est la loi du football. Voilà. Un scénario qui se répète tellement. Allez, touche effectuée. C'était pour Bonny qui est redescendu bien bas. Ballon, on essaye de changer de côté. Intervention de la tête de Canes. Ballon récupéré par Ilosier. Ilosier qui lève la tête, qui veut jouer long également. Destination de Rosemont, Olive, déviation de la tête, c'est pour personne. Et le ballon va être relancé par Denley Jean-Jacques. Sur le côté gauche avec Hervé Joseph. Dédé. S'appuie à nouveau sur son latéral gauche. Circule beaucoup. Dédé à nouveau. Denley, ballon de Denley dans la surface de réparation et le centre fuyant là finalement pour personne. Alors qu'il y avait toujours un positionnement approximatif de la part d'Ilosier de Bien-Aimé. Allez, dégagement de Jackson Origène pour la tête de Ronaldo Dessiné, plus volontaire, plus vivant que Bien-Aimé. Fanis. Bien-Aimé, Ilosier, Saturnet. Saturnet avec le ballon, il a du champ. McKendall Paul, c'est Junior Delva. Bonny qui s'appuie sur Delva encore. Delva qui est très très bas sur le terrain. Bien plus bas qu'en première mi-temps, s'il est plus bas même que Fanis. Allez, Jimmy Ordena pour Ilosier. Ordena, ballon renvoyé par Canes. Solide en deuxième mi-temps Canes et ballon pour Naël. Intervention par derrière là de Fanny sans faute. Et Naël qui reste au sol sur cette intervention de Fanny. Intervention rugueuse dans le dos. Et ouais, c'est bien le seul et unique buteur de ce match qui est au sol. On va voir Naël qui récupère le ballon et il y a cette intervention là de la jambe droite de Fanis. Intervention irrégulière forcément, vous avez pu le constater. Fanis qui a de bonnes grandes jambes bien musclées, donc forcément un coup de Fanis, ça ne peut pas faire de bien. Et du coup, il y a près de deux changements côté tempête. Oui. Il y a Aristide qui va le monter. C'est tout Gettason Charleus qui va le monter. Ah, une décision forte là de l'entraîneur. Thank you.
et Koufran qui va être joué par Ronaldo Destiné. Ouais. Voilà, carton jaune, il a gagné du temps. Bon, ça n'a pas tellement de sens là, Ronaldo, ça n'a pas de sens. 57e minute, gagner du temps, bon. Le football, c'est un spectacle. Don Bosco mène. Mais quand même. Attention pour 4, ça va coûter le cher. Hein. Voilà, exactement. Et premier changement, ça va être la sortie de Rosemont Olive pour Aristil. Rosemont qui était très pâle, vraiment. Très, très pâle. Le ballon est toujours en jeu et toujours dans les pieds du Don Bosco de Pétionville avec Danley Sakorbine, avec Hervé Joseph qui accélère sur le côté gauche. Il dépasse son adversaire du jour et le ballon est dans la surface de réparation. Ça sera renvoyé par Mackendall-Paul. Voilà, Mackendall-Paul pour Boni. Boni qui revient très bas. Mackendall, Fanis, long ballon de Fanis, il change de côté à destination de Bien-Aimé qui a raté deux grosses occasions en premier mi-temps. Il peut s'en vouloir. Et voilà, Bien-Aimé. Ouais, pas mal, hein. Ciseaux, le Bien-Aimé, bonne passe là dans l'axe du terrain par Ordena, tentative d'Ordena, trop haut. Et là c'était bien joué de la part de Bien-Aimé. De Bien-Aimé, ouais. C'est Ordena qui n'a pas su cadrer sa frappe vraiment. Mais il a voulu faire la même chose que Delva, il a voulu assurer, mettre un petit peu son corps en arrière. Et puis bon, malheureusement ça n'a pas marché pour lui. Et finalement Charléus qui va faire son entrée. Ouais, la place d'Isomson. Thomas Thompson. Ah oui, Thompson. Bon, je ne voyais pas d'autres changements puisque c'est là vraiment où Charlie Stalson joue, c'est sur le côté droit. Et sachant qu'il y a un gros déséquilibre entre l'aile droite et l'aile gauche puisque Thompson monte beaucoup moins et fait beaucoup moins de travail offensif que Bien-Aimé. Isomson Thompson. Gardien qui semblait recevoir un coup de l'objet quand même, donc nous pas identifié, nous pas dire n'importe parole, si c'est bouteille, si c'est. Nous pas qu'on est. Il y a un petit problème. C'est pas moment pour faire ça, puisque c'est vrai dans le Moscou mené, mais c'est pas ni Abid qui fait, c'est pas personne qui fait ce qu'on match là, c'est un erreur défensive. Faut pas intimider les joueurs. Il y a un changement apparemment côté Don Bosco tout, Woody. Non, pas du tout. C'est un joueur qui était dû à taper dans soin, c'est Naël. Le buteur. Ouais, pour l'instant, le coach Natou qui fait confiance à son 11 de départ. Non, mais d'accord avec. Bon, vu le scénario, là on ne peut pas ne pas être d'accord pour le moment, ça marche pas. On joue l'heure de jeu, ça ne veut dire pas arrêter trop de temps là. Don Bosco qui a quel. À quelques 30 minutes pour le gagner maintenant, pour le gagner série. Hein. Qui campait. Nous devons imaginer un pile arrêt de jeu.
Il y a un carton jaune pour Saturné qui vient de prendre un carton jaune. Enfin, avec ce match, Calix. Dégagement de Calix, la tête là de Charléus, premier ballon de Charléus, 2-21. Entrée en cours de jeu à la place de Thompson. Bien pâle aujourd'hui en dehors de deux centres en première mi-temps. Touche, le ballon est dans les mains d'Hervé Joseph. Joseph à niveau. Bon, ballon vers l'avant, c'est à destination de Naël. On essaye de faire paniquer la défense là. Du Tempête. Et faute. Faute de Dédé sur Mackendel-Paul. Saturné. Il osier. Il osier avec le ballon, il a du champ. Il choisit Junior Delva juste devant lui. Delva qui pique un petit peu son ballon là vers l'avant, destination de Bien-Aimé. Mais ballon repris déjà par les joueurs du Don Bosco. Et puis cet homme-là, Ronaldo Destiné. Attention, il perd le ballon. Par contre, le ballon est dans l'axe du terrain avec Charléus. Talson dans la surface de réparation. Charléus qui centre. Et puis renvoyé par la tête de Canès. Bien placé, superbement placé Canès. Et récupération d'Ilosier. Quand Ilosier, c'était Liader pour le Don Bosco de Pétionville, et faute. Alors qu'un joueur du Don Bosco est... C'est-à-dire qu'il semble avoir une douleur à la tête. Bon, seul petit problème, c'est que c'est là bah, il a commencé par être intéressant. Hein. L'équipe Capenéen, elle a bien tout le problème. C'est pas que je voulais paraître pas humain, non, mais tout le problème, là, c'est Don Bosco Capenéen. Moi, je dis peut-être fait mal que monsieur Ognier, moi, je dis alerte que Ognier a capé. Et puis jusqu'à ce que 90 minutes passent. Mais quitter à peine les deux à un studio, ils ont tout transformé en Terminator. Ça cap jouer avec un bon jambon à faire ou mal ou pas jambon comme ça. Donc c'est pour ça la piège pour sinon pas de changement directement. Mais là, ils ont cassé le rythme match là. Bon, c'est vrai, tout chemin est mené à Rome. Mais à un certain moment, ils viennent aussi jambon à l'honnête, le regarder comme si Jean ça y est là. Parce que chaque seconde match à campé, c'est dans le saut de bon boulot. Allez, ballon joué vers l'avant, destination de Dédé. Et finalement, c'est mal joué, ce sera une touche. Touche qui va être effectuée par Mackendel-Paul. Défenseur central droit de l'équipe du Tempête, puisque le Tempête évolue avec trois défenseurs, hein, Mackendel-Paul, Saturné et Ilosier comme défenseur central gauche. Et un ballon aérien renvoyé là par Miralex. Mais le ballon est dans les pieds du Tempête avec Charléus sur le côté droit. Centre dans la surface de réparation directement dans les bras du gardien Calix. Et pour le moment, on n'a pas encore ressenti l'effet de l'entrée en jeu d'Aristide. Charléus a touché beaucoup de ballons sur le côté droit. Mais Aristide, un petit Jean effacé. Mauvaise passe de Fanis quand même. Il y a un joueur derrière et vous choisissez faire tête là comme ça, même si il osait être sous boule là, mais c'est un risque énorme. Et ballon sur le côté droit, destination de Charléus Talson, à la lutte là avec Becker. Et ce sera un corner. Becker qui concède le corner. Et là, il faut bien le tirer, Junior Delva, parce que on en a gâché quelques-uns déjà. Il faut se concentrer, bien regarder les appels de balles. Tout ça, ça se travaille.
bien viser son partenaire, anticiper son déplacement, pas jouer au hasard. Il y a Georges qui va rentrer pour Tempête, 214. Georges, le bon connaît la place qui est, mais il va le monter, le souffle qu'on y en a. Ce sera déjà le troisième changement du Tempête. Ouais, fini. Allez, du pied gauche, ce sera Delva qui le tire. Voilà, renvoyé par Becker. Et c'est vraiment très bien rattrapé là. Est-ce que t'es gamin là? On va suivre le corner. Ça a parlé derrière le but, mais difficile de voir de là où on est. Mais nouveau corner en tout cas pour Delva. Ça se frictionne dans la surface de réparation. Tous les joueurs sont marqués. Corner beauté, renvoyé de la tête par Yader. Et là par contre le public réclamait une main. Wow. Et voilà, c'est Ilosi finalement qui a sorti, vous dit. Ilosi à la place de Georges. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Le ballon est en jeu avec un centre au deuxième poteau peut-être et capté par Calixte sans problème. Avec Calixte avec son pied là, dégagement et du pied droit de Calixte. Il n'arrive pas à sauver la touche là, Naël. C'était Karl Stevenson. Allez, Mackenden Paul. Charlie Hughes pour Fanis. Fanis, Saturné. Bon ballon de Saturné à destination de Delva, mais renvoyé par la tête de Canes. Avec Karl Stevenson, il en passe un, il en passe deux, il en passe trois. Et là, il est bien stoppé. Ouais, double tacle réussi par Saturné. Très bonne intervention défensive. Ah, le jeu est en train de se muscler. Alors que dans le même temps, Karl Stevenson était resté au sol, mais il se relève. Ballon sur le côté droit, toujours avec le Don Bosco Pétionville qui attaque Karl Stevenson. Il en fixe deux, le centre, bon centre, mais par contre, il n'y a personne. Il n'y a personne au deuxième poteau, Dédé n'était pas là. Il n'a pas fait le déplacement, Antoine et Jean-Jacques non plus. Allez, Saturné. Fanis, qui a du champ, il peut avancer, Fanis. Saturné. Bon ballon Saturné vers l'avant, destination de Bonnipierre. Intervention de Canes là qui résiste à la charge. Touche.
en faveur du Tempête. C'est joué rapidement avec peut-être un centre qui va venir du côté gauche. Est-ce qu'il aura le temps? Il est au duel centre et renvoyé par le Don Bosco de Pétionville. Fanis qui récupère le ballon finalement. Il s'appuie sur McEndel-Paul, passé en défenseur central droit. Centre dans la surface de réparation. Deuxième poteau et Ordena qui se trouve un petit peu. Il fallait pas contrôler ce ballon. Fallait pas contrôler ce ballon. Il l'envoyer directement. Directement. Hein. Mais pas bon réflexe buteur, Rudy. Boulsal pas de contrôler. Et Naël avec Miralex. Miralex. Fanis. La pieuvre du milieu de terrain qui s'est appuyé sur McEndel-Paul. Puis Ordena maintenant. On est passé à une défense bien différente du côté du Tempête, tête en arrière, mais c'est pour personne. C'est la destination, pourquoi pas, d'Aristide, bien pâle depuis qu'il est entré en cours de jeu. Puisqu'on n'a pas vu vraiment avoir d'occasion intéressante. Pour que le corner s'effectue, deux joueurs du Tempête qui ont décidé de marquer le gardien. On va voir que c'est autorisé à partir du moment où il n'y a pas de charge sur le gardien. Tous les joueurs ont le droit de se retrouver marqué. Et là, on essaie de déconcentrer le portier, renvoyé par Ronaldo Destiné. Pas de corner du tout, il va botter bien même. Non. Tous les corners pour le moment, bien, l'immense majorité ont été gaspillés. Allez, Fanis, Saturné qui continue de jouer. Saturné qui passe à gauche là pour bien aimé pour Georges. Allez, Georges, qu'est-ce qu'il va faire? Centre instantané, contré. Bien taclé là par Ronaldo Destiné. Et Karl qui est au sol. Alors qu'on va entrer dans le dernier quart d'heure de la partie. Le Don Bosco de Pétionville qui fait la très bonne affaire et surtout qui oblige le Tempête à prendre des risques pour marquer deux goals. Allez, la touche est effectuée. Julien Delva qui a le ballon entre les pieds, il s'appuie sur bien aimé centre dans la surface. Attention, contre favorable, mais non, finalement dégagé par Becker qui veillait au grain. Heureusement, il était là, Becker. Allez, touche, Charléus centre dans la surface de réparation. La tête de Fanis finalement pour le gardien. Et c'est une tête plutôt de Saturné. Allez, Karl qui s'en sort bien. Ordena qui s'appuie sur Saturné. Saturné.
tourner, long ballon vers la destination de Junior Delva. Et finalement, duel remporté par Canès encore. Il remporte tous ses duels aériens aujourd'hui. Canès, le dossard 5. Dis donc, Bosco Tétourville, défenseur central droit. Très bonne performance aérienne de ce joueur, surtout en deuxième mi-temps. D'ailleurs, puisqu'en première mi-temps, il avait eu pas mal de travail, il avait effectué pas mal d'erreurs également. Allez, le ballon est dans les pieds du Tempête qui essaye de jouer de manière beaucoup plus directe maintenant avec Bien-Aimé qui est passé dans l'axe cette fois-ci. Il a laissé sa place à gauche à Georges Ordena qui combine avec Delva. Voilà, ça joue en une touche de balle. C'était mal joué finalement, renvoyé par le Don Bosco de Pétionville qui ne construit plus. Hein. Ils ont mis une double muraille derrière. Peut-être qu'ils comptent sur un contre de Naël, mais sinon... Ouais, ils sont bien obligés, on joue la 77e ligne. En béton, on fait du béton derrière là. Allez, Liadère. Mais attention, tout peut arriver. Hein. Ah ouais. Deux buts en une minute, on l'a vu. Et au Cap-Haïtien, jeudi. Et oui, avec un carré. Voilà, ballon en profondeur, tout peut arriver. On vient de le dire, et intervention défensive de Saturné. Très fort aujourd'hui, Saturné, vraiment. Alors que un changement se prépare. Et on va revoir la faute justement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour ceux qui n'étaient pas là? Voilà un ballon vers l'avant et Saturné, vous voyez, qui intervient. Et, oh oui, et le pied de Saturné là, le pied gauche qui a traîné dans la tête de Naël. Ouais, très mauvais geste là de Saturné. Ouais, c'était, selon moi, c'était volontaire. Ça ressemble vraiment à du volontaire, effectivement. Ouais. Changement pour le Don Bosco de Pétionville. Donc c'est Dédé qui est sorti et entre en jeu de Zavarov, Andreville. Dédé qui était beaucoup moins... Enfin, il n'a pas fait une bonne deuxième mi-temps, clairement. Allez, le ballon est en jeu. Et tentative là du pied droit. Ça a été contré, c'était de loin, mais bon, comme on ne sait jamais. Belle action là, le centre, c'est pas fini, avec la dit monsieur Campé. On est furieux dans la surface de réparation, allez ça joue, toujours avec Bien-Aimé qui combine là, avec Fanis, avec Akendel, à la droite, centre dans la surface de réparation et la tête de Becker. Saturné qui souvent m'a compté sur hauteur tout petit, qui allait exactement dans le point de pénalty. Hein. Puisque Becker toujours là, ou sinon Canès toujours là, et avec trois facilités pour dégager Manofa. Allez, ballon sur le côté gauche, le Tempête qui va essayer de chercher la faille là-dedans. Ces 10 dernières minutes de match, alors qu'on revoit ce ballon aérien, on réclame un penalty. Et il y avait une intervention quand même un petit peu limite là de la part de Becker. Mais l'arbitre n'en dira rien. Allez, Saturné pour Georges, entrée en cours de jeu. Delva. Allez, Delva qui a pris un. Et Naël prend un carton jaune en échange de son coup. Thank you.
Et sur coup de pied arrêté le Tempête aujourd'hui qui n'a pas assuré du tout. Et que regret. C'est pas fini, hein, mais quand même. Allez, ballon joué par Saturné dans la surface de réparation, directement renvoyé et par la tête d'Hervé Joseph. Deuxième chance peut-être avec centre instantané dans la surface de réparation et renvoyé cette fois-ci par Canès. Tentative de loin et Becker cette fois-ci qui s'emploie. Vraiment, les Pétionvillois sont pour le moment solides. Il y a d'ailleurs de la tête qui renvoie un petit peu comme il peut. Et Naël là, qui a failli avoir le ballon, mais non, finalement, c'est pour Saturné. Saturné pour Mackendel. Saturné à nouveau. Qui est vraiment hors position là, Saturné, il prend des risques forcément. Combinaison. Il y avait main, apparemment, il y avait main. C'est pas le ballon couffré intéressant, mais faut qu'il y ait bien encore une fois. C'est ça, Greg. On a l'impression que tous les balles arrêtées du côté du Tempête se ressemblent. Ça manque terriblement de précision. Et pourtant, il y a des joueurs de la tête. Il y en a. Ça va être tiré par Bien-Aimé. On change de tireur là, Greg. Bon, à présent, là, on a joué 83e minute de jeu. Systématiquement, la difficile pour eux. Nous allons suivre ça, le bras le bail. Et renvoyer des points par le gardien et puis par la défense. Et, allez, maintenant, le deuxième ballon, là, il est pour Naël. Naël qui reste debout malgré la charge. Il passe devant avec Carl Stevenson. Allez, Carl avec le ballon. Carl qui est face à Georges. Et puis finalement, c'est Georges qui récupère quand même le ballon. Peut-être pas pour longtemps. Fanis qui se rate un petit peu dans son intervention et défensive. Et Georges, là, qui protège le ballon pour obtenir la relance au 5m50. Bien joué là, Georges. Bonne intervention défensive de Georges avec Mackendel Paul qui a le ballon dans ses pieds. Saturné qui est vu bien haut. Il en a fini avec les tâches défensives. Maintenant, il va porter offensivement la tête d'Aristide. Boni, Ordena. Ordena à gauche pour Georges. Centre de Georges depuis le côté gauche et renvoyé de la tête. Attention à cette mauvaise relance. Ordena près de la surface de réparation et dégagement comme il peut. Part de la défense du Don Bosco de Pétionville. La tête de Fanis pour Georges. Et s'il va sauver le ballon de la touche. Et non. Touche en faveur du Don Bosco de Pétionville. Le Tempête qui essaye d'augmenter le rythme, qui essaye d'étouffer le Don Bosco. Mais le Don Bosco paraît infranchissable. Paraît également impérial dans les airs. Et quand c'est pas dans les airs, il y a des joueurs qui savent se coucher comme Canès et comme Becker. C'est solide pour le moment. On ne va pas trouver Ordena du tout dans fin deuxième période ça là. Et tout comme Delva qui font ses montées net qui quitte en bas. Ouais. Attention justement, c'était un ballon là pour Aristide. Et le Tempête qui pousse avec Bien-Aimé dans l'axe du terrain. Ordena. On vient de parler de lui justement. Allez, centre dans la surface. La tête de Becker, mais elle part en arrière. Et le gardien. Et là, bon, pas de communication là entre le défenseur Canès et son portier, vraiment. Ça aurait pu coûter très cher. Et Calis. Le gars d'Albu Pétionvillois qui reste au sol. Forcément, il est gentiment pressé par les Saint-Marcois de se relever. Alors que Junior Delva attend pour faire la touche. Finalement, on a quand même demandé une intervention. Gardien qui était atteint, mais t'as semblé lui pas gagner rien de sérieux. Oh, c'est la
c'est le gain de temps idéal quand c'est le gardien grec, puisque malgré l'intervention des staff médical, bon, il ne va pas sortir. Je voudrais dire, mais où est-ce encore pour nous juger qu'il vient toujours, est-ce que... Voilà. On va laisser les points là. Oh, personne ne va m'en garder. Gardien gardé, sa boule l'a devenu. Nous, elle a gardé, sa boule l'a devenu et puis il y a juste Bonny qui est passé devant. Mais... Monsieur Capdim, comment ça parle avec toi avec toute force terminator. Ouais. Et il est vite debout finalement pour un grand blessé. 87e minute. Ouais, et corner donc tempête, de la. Toujours au film aujourd'hui, match ça ici. Hein. La gauche. Chaque fois qu'on regarde Tempête, c'est toujours comme ça. Compliqué existence. Et corner effectué au premier poteau et c'est renvoyé par Ronaldo Destiné. Peut-être une deuxième chance avec un centre à venir. Ouais, centre depuis le côté gauche dans la surface. On s'en sort un petit peu là du côté de Don Bosco, mais peut-être pas pour longtemps avec ces nouveaux ballons aux abords de la surface de réparation. Hors-jeu. Hors-jeu. L'occasion encore pour les jaunes et noirs de gagner quelques précieuses secondes. De toute façon, on rentre dans les deux dernières minutes du temps réglementaire. Tempête devrait marquer deux buts pour se qualifier pour la finale. Allez, Fanise de la poitrine. Les pauses sont avancées. Allez, ça joue rapidement avec Fanis. Long ballon de Fanis à destination de Bonnikier. Est-ce qu'il pourra avoir ce ballon? Il gagne son duel avec Becker et Delva près de la surface de réparation. À nouveau, Bonny, ici, va pouvoir tenter. Non, difficile vraiment. Et puis contre-attaque maintenant. Eliader avec le ballon qui lance Naël. Trop fort et hors jeu. Oui, il était effectivement hors jeu parce que. Devant ses défenseurs. Allez, Georges, Delva. Delva avec le ballon. Sur le côté gauche, on va essayer de rentrer pourquoi pas dans la surface. Le duel est assez difficile. Là, il revient finalement sur Georges Delva. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Oui, le centre est effectué. Encore une intervention de Becker cette fois-ci dans les airs. Le voir danger vient très rapidement avec Junior Delva. Delva qui fixe Miralex. Faute sur Delva, non, et on continue dans la surface de réparation, envoyé par la défense de Don Bosco. Don Bosco qui plie mais qui ne va pas rompre. Solide, solide Don Bosco avec Eliader. Long ballon vers l'avant. Ça, c'est pour grappiller quelques secondes. Forcément, on dégage le ballon. Là, la stratégie est claire, le plus défensif possible. Avec cette montée-là, tentative de centre contrée. 10e minute de jeu. On n'a pas encore vu le temps additionnel. Capable 5. Ouais. Yombol. Fini après un seul grain erreur défensive. Ouais. Au PSG très cher. Au tout début vraiment de la deuxième mi-temps. C'est 8 minutes d'arrêt de jeu, Woody, on lock match. Ouais, 8 minutes. C'est normal avec tout le temps qui a été gagné. Allez, Delva qui joue rapidement sur le côté gauche. Charlius avec le ballon, c'est bien aimé plutôt. Bien aimé qui reste debout, centre de bien aimé. Corner. Énième corner. On a rappelé mieux que. Don Bosco, t'es subi toute première période là. Ballon corner. Non. N'ont rien appris. N'ont rien appris. Allez, ballon. Vous voyez, c'est Naël qui a le ballon. S'il va aller assez vite pour revenir. Yoka tué match là. Ouais. Il va tuer Max Gola. Il rentre dans la surface de réparation. Est-ce qu'il va tenter? Il essaye directement dans les bras de Gerson Origène. Allez, Origène, il accélère le jeu et relance à la main avec. Il faut aller vite, pas avec toi, tout le monde. Delva, à droite là pour Saturner avec le ballon. Et finalement, intervention de Joseph. Et Hervé Joseph sur le côté gauche. Eliader qui s'amuse un petit peu là, avec le ballon. Hervé. Danley. Hervé à nouveau. Danley. Hervé.
On fait circuler Becker, dégagement de Becker. Et voilà, nouvelle vague bleue avec Ordena. Allez, Jimmy Ordena qui réussit à rester debout malgré la charge de son adversaire. Ordena qui passe sur le côté droit pour Charles Ehu. C'est mauvais centre, c'est un ballon offert. Et finalement, Georges, on est dans la surface de réparation avec Fanny, c'est le dégagement. Dégagement d'Eliader. Solide comme un roc aujourd'hui, comme le reste du triangle défensif Tanès, Becker, Eliader. Qu'est-ce que c'est fort! Rappelons quand même que le temps additionnel il est minimum, hein, que l'arbitre. Ils ont joué à terre là. Et l'arbitre s'estime. Il semblait assez grave. Lorsque... Les deux minutes qui restent à jouer notre additionnel là. Il y a un changement pour la tête, dernier changement à côté de Don Bosco. Dernier changement à côté de Don Bosco. C'est Gédéon Daniel qui est entré. Et Miralex qui est sorti, c'est justement Miralex qui est sur une civière. Et voilà, intervention de Calix. Il va forcément déguster ces 6 secondes. Allez, dégagement de Calix, ouais, intervention. Petit Carl Stevenson qui voulait le ballon. Bien aimé. Bien aimé, il en passe un, il en passe deux, il n'en passera pas trois. Et dégagement d'Eliader. Côté de Moscou, on essaie surtout de renvoyer le ballon dans la moitié de terrain adverse. Don Bosco qui est presque en finale, vous dites. Bonne deal. Alors qu'on arrive à la moitié du temps additionnel. Allez, long ballon vers la barre destination de Carl Stevenson. En jeu. Pourtant, Arcaï a réussi à faire 2 buts au moins en un peu plus d'une minute contre le Real du Cap. Tout est possible dans le football, même si c'est difficile, même si l'adversaire gagne du temps. Et voilà un bon coup franc. Oui, un bon coup franc qui... Et on l'a joué à Don Bosco à faire encore. C'était Becker, mais il est bien relevé. Pas de problème pour Becker. Pour ça, là nous sommes dans 5 minutes. Et Jefferson Origen est là, Greg. Ouais. Ouais. Vu la force qu'il a dans les jambes, si c'est cadré qu'il envoie un boulet de canon, c'est possible. Est-ce qu'il va le tirer? Non, il va pas le tirer. Ça sera soit Saturné, soit Delva. Delva finalement, renvoyé par le gardien. Oh, il y a cafouillage dans la surface. C'est goal! Goal, 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 goal! Le goal de l'espoir là pour le Tempête de Saint-Marc. Un but partout. Il reste 2 minutes, tout est possible. Alors, t'as l'homme des 10 derniers changements pour Don Bosco, moi t'es trompé, moi t'es en changement. Ouais. Ah ouais, qu'on voit la reprise, hein, parce que c'était vraiment un cafouillage dans la surface. Et qui est-ce qui a marqué? Oh, c'est pas facile à voir. C'est pas facile du tout. On va regarder plusieurs fois. Et le jeu va reprendre alors qu'il y a un changement là. Peterson qui va rentrer.
Et c'est Naël qui va sortir buteur. Il a pas vraiment 8 minutes encore, pas vraiment 8 minutes. Sauf un miracle qui a fait tempête passer. Miracle qui existe dans le football là, mais c'est pas évident, même si Don Bosco a fait fléchi. Ouais. Et je le sentais bien ce coup franc. Ouais, c'était assez près quand même. Ouais, bah, c'était intéressant. Et voilà, il s'est dégagé directement. Il y aura une relance. Donc, au 5m50, déjà son origine, forcément, on se précipite. Voilà, c'est joué rapidement avec une nouvelle valve bleue là qui va arriver. Allez, on va jouer rapide. Voilà, long ballon vers l'avant. C'est la panique là du côté du Don Bosco Pétionville. Et le Tempête qui croit, qui va y croire jusqu'au bout. Et Bonny Pierre qui obtient la touche. Il cherche un ballon. Et ça va être joué rapidement. La touche est effectuée avec Delva. Delva lève la tête. Ballon dans la surface de réparation. Dégagé par la tête de Canès. Ça va revenir. Le danger encore une fois avec Saturné. Saturné, long ballon dans la surface peut-être. Voilà. Et renvoyé cette fois-ci par Eliader. En touche. 8 minutes là beaucoup fini. Inutile de dire que la déramasseur de balle, il y en a beaucoup pour le Tempête. Avec Georges. Jeff. Jeff Anis, long ballon sur le côté droit, intervention de la tête d'Hervé. Eliader qui a le ballon, qu'est-ce qu'il va faire avec son ballon Eliader? Est-ce qu'il a des solutions? Non, pas beaucoup, il va s'engouffrer là au milieu de 4 bleus, c'est beaucoup trop. Ardena qui a le ballon, une nouvelle offensive de la part du Tempête de Saint-Marc. Offensive, la surface de préparation, il y a Bonny. Et face au gardien, et c'est Calix. Donc, voilà, c'est fini, là, c'est fini. C'est Calix qui gagne son duel. Le temps réglementaire est terminé, mais c'est bien un temps réglementaire minimum. Alors que Becker et Calix sont au sol. Et forcément, ça se frictionne dans la surface, il y a beaucoup de tension. L'abjoué dernière seconde, au gardien qui m'a en touche là. Si l'arbitre n'a pas décidé de finir le match là, et que l'arbitre et que Tempête fait touche là, l'abandon danger pour Don Bosco parce que le gardien dégage boule notre touche qui est près là. Il était toujours essayer de voir le ballon plus loin que possible, il était touche plus loin que possible. Mais là, c'est dans la moitié de terrain là que le touche. Donc, et match a beaucoup fini. Si Gadier va continuer, il y a obligé et gagner un dernier joueur qui va Gadier sorti bon joueur qui prend le lien parce que arbitre là pour qu'on finisse match là et trois changements au fait déjà. Ouais. Peter Sanzo rentré fait trois changements. Match là pour qu'on finisse gros touche dans moitié de terrain Don Bosco. Il est capable de porter préjudice à Don Bosco de Pétionville dans la mesure où Tempête a décidé pas jouer fair play là. Objectivement, Greg, avec tout ce qu'on a gagné comme temps dans le temps additionnel, il y aurait bien encore 2 minutes de jeu. Vous pensez ça? Vous pensez ça parce que je vois toujours penser que Yoka est dupé à Abitio, pas du tout. Ou a fait l'un, Abitio l'a pris notre coup. Donc si vous passez 8 minutes, là, fini là, c'est Abitio qui va le compte, fini. Donc tout ça, vous pensez sur une longue touche pour faire là. Ouais. Si vraiment Yoka a les fonds, ouais. Et Calix qui peut lever finalement. On est en train de jouer avec les nerfs là des joueurs du Tempête et même de l'arbitre. Alors qu'on en est déjà 10 minutes après le temps réglementaire. En tout cas, si Gongol qui vient là, Don Bosco a bien la mer. Don Bosco a bien le mal parce que pour le match a fini longtemps ça. Et ben, le bon paquet de parole en pile. Seul avantage qui gagne là, parce que son côté tension est toujours monté. Seul avantage qui gagne, tout fanatique, Tempête, ouais, que c'est un erreur de propre voyou qui fait erreur en qui c'est quoi ça là. Ouais. Don Bosco prend un carton rouge. C'est Hervé Joseph qui prend. Ouais, latéral gauche. Le football là. Et Calix, si pour le moment ne se relève pas, voilà, le relâcher de deux pieds. Pareil, t'as pile fin, quand on rouge, j'aimerais lever, me faire quelque chose. Et pour Tempête, sauf que, avec égalisation, ça, même s'il est éliminé, parce que son vol en déplacement, il y a un caissier là, son vol précieux.
il va demander pour au moins battre match à Jean-Dédé. Voilà. Mais ça qui sûr pas qu'il y a prolongation. Voilà, tout ça va le faire. Nous allons suivre. Qui est-ce qui est-ce? Et qui ça va le bail? Tu n'as pas gagné droit ça du tout. Il avait expulsé, il n'y a pas qu'à marcher tant que son monde qui chante basse. Ce n'est pas normal. Non mais je prends le carton rouge longtemps ça. Oui, avec la clé et vous dire avec ça. Avec la clé carton, parce que c'est pas un rôle ça. Je prends le carton à quitter le terrain, mais c'est pas un joueur pour mettre au deux. On nous suivre qui ça a tout ça, Brelbain. Il fait rapidement, il est centré, il est contré, il y a l'autre touche encore. Il fait rapidement le centre. On est à cette partie. Mais il fin de match exceptionnel, on se croirait en première ligue, vous dit. Voilà. Et il y a 12 minutes d'arrêt de jeu déjà. Voilà, et tout le monde monte, Jefferson Origène dans la surface de réparation. Ça tape Flynn fait en euphorie. Là c'est le moment de bien tirer le corner. Ah mon cher. Là, c'est le moment. Allez Junior Delva, corner beauté. Et renvoyé par Calix encore. Non, 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 les jeux sont. Non, effectivement, c'était pas Calix, non. Voilà. 40 minutes pour Tempête. Même si, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'arbitre. Ça va donner encore du temps. Et alors que Ronaldo décide de dire monsieur l'arbitre, c'est terminé, c'est terminé. Là, c'est fini. Voilà. Il va laisser jouer la touche, il a le sifflet à la bouche, il laisse la touche jouer avec Fanis. Et c'est fini. Voilà, c'est fini. Don Bosco est en finale, mesdames, messieurs. Après ce match nul en déplacement contre Tempête, un but partout. Et pourtant, Tempête avait joué une première période de haut niveau. Mais Tempête est éliminé. Victoire pour le Don Bosco de Pétionville qui jouera donc sa finale. Ah, c'est dur pour le Tempête après avoir autant dominé, après autant d'efforts sur le terrain. Une erreur qui coûte très très cher finalement. Vous voyez, 47e minute, Naël, le vol de Naël sur une erreur du Tempête. Donc c'est forcément le moment de regretter avec cette première mi-temps, cette accumulation d'occasions franches. Ouais, c'était une très belle première période. Mais nous t'es sûr, nous t'es bon ça, c'est difficile pour Tempête. Parce que moi-même, Abdil, à chaque fois que je viens là, c'est toujours comme ça. Tempête joue bel football, Tempête passe le ballon, mais Tempête n'a jamais vraiment convaincu moi. Il n'a pas gagné un finisseur, il a joué avec occasion, et dans le football, il faut concrétiser. Sinon, c'est pour malheur. Ah ouais. Mais quand même, Greg, il faut aussi féliciter le parcours du Tempête, donc il s'arrête là aujourd'hui, mais qui a fait un très très bon parcours. Et qui s'arrête en demi-finale, voilà, bien aimé, forcément abattu, il se souvient, et quand en première mi-temps il a raté deux grosses occasions, bien aimé, ben ouais mon grand, raté deux grosses occasions, et forcément dans le football, et ben ça pardonne pas, c'est comme ça. C'est donc également la dernière fois de la saison qu'on verra le Tempête et puis ses merveilleux fanatiques, son fan club. Ah oui. Il faut les remercier également pour les belles images qu'ils nous ont données. Voilà, la joie des Pétionvillois. Bravo messieurs. Yon superbe demi-finale, retour mesdames, messieurs, n'a pas que le Saint-Marc, côté que Tempête, l'y éliminer la Kylie.
Et Don Bosco, pourtant, qui était mal parti dans la première période là, qui n'a pas existé du tout. Et après, en simple erreur, Don Bosco qui était retourné dans le match là. Et Tempête qui était lui-même pas être assis.